Ça bug. Ouais, mais j'avais dit, tu pensais me voir sur la plage, t'es venu? T'es venu ou pas? Non, mais hier soir, j'ai dit hier soir que hier soir, j'avais dit que j'irai pas ce matin parce que je suis allé me coucher, puis j'étais un peu claqué hier, fatigué. Je me suis dit aujourd'hui, j'allais pas. Demain matin, oui, mais pas. Demain matin, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Tu voulais. Tu quoi? Tu voulais venir? T'es venu ou bien tu voulais suivre le live? Vous savez, d'où l'entraînement depuis la plage? Explique-toi. Donc, je vous salue, c'est-à-dire ce matin vivement. Je vous salue, hein. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous avez bien dormi. Pour les roses. Merci. Bon, je me suis dit aujourd'hui, je vais prendre une petite journée sympathique aussi pour faire un petit peu de prière parce que ces derniers jours-là, j'ai pas eu le temps de prier aussi. C'est bien aussi d'accorder un peu aussi du temps à Dieu. Aussi, hein, c'est bien. Donc, justement, j'ai mis une vidéo, c'est-à-dire dans mon profil. Hein. J'ai mis une vidéo dans mon profil que je parle. Bon, je vais essayer d'aborder le sujet là pendant que je suis là en direct, mais vous pourrez retrouver, c'est-à-dire, vous pourrez retrouver la vidéo, c'est-à-dire en différé. Et eh oui, hein. Vous pouvez retrouver la vidéo en différé, hein, aussi dans mon profil de TikTok. Merci pour les roses, hein, merci. Merci tous ceux et celles qui me soutiennent, merci. Donc, vous allez trouver cette vidéo dans mon profil, mais je vais reprendre là parce que je suis en direct. Donc, je vous salue tous, hein, parce que tous ceux et celles qui sont connectés, il n'y a personne, mais bon, c'est pas grave. Mais je vais, c'est-à-dire, continuer, c'est-à-dire, à prêcher. Donc, je vous dis bonjour, bonjour mes frères et sœurs, gloire à Dieu, alléluia. Mes frères et sœurs, c'est pas un souci, c'est pas un problème, hein.
Vous savez, c'est quand on est dans la lumière, on est dans la lumière. C'est soit qu'on est vrai, soit qu'on est faux. Il n'y a pas plusieurs choses, il n'y a pas 36 solutions, mes frères. C'est deux choses qu'il y a, faux et vrai. Soit tu es vrai, soit tu es faux. Donc, soit tu es vrai, soit tu es mytho, soit tu es réel. Donc, mes frères et sœurs, ce matin, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, mes frères, ce matin, puisque nous sommes dans cette nouvelle semaine, mes frères, qui a commencé, débuté ce matin. Eh bien, que Dieu vous fasse grâce, miséricorde, hein, une pensée pour Ezra, pour Livia, eh bien, Livia, Naomi, mystérieuse. Bon, tous ceux et celles qui sont montés, Jordan, bon, tous ceux et celles qui sont montés, tous ceux et celles qui montent, hein, tous ceux et celles qui me donnent la force, bon, qui m'encouragent. Ben, je vous remercie, hein, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, que Dieu vous le rende cet ado ensemble plus richement. Donc, je vous avais dit aussi que j'allais mettre en place un programme cet ado public. Depuis un moment, ça fait longtemps que je parlais de ça, Sabidou, depuis Facebook, hein, Sabidou, parce que vous pouvez regarder dans mon profil. Dans mon profil, vous trouvez un lien de, pas de Facebook, vous trouvez un lien de mon YouTube, SOS Dorlis. Donc, s'il y a beaucoup de prières un peu contre tout, que vous pouvez, contre le Dorlis, contre la sorcellerie, contre plein de choses. Hein, donc, vous pouvez cliquer simplement sur le lien et ça va vous diriger directement cet ado vers mon YouTube, SOS Dorlis. Vous n'avez rien d'autre à faire que de cliquer sur le lien. Donc, quels que soient les problèmes que vous avez, si vous avez les mains percées, vous allez trouver des prières aussi contre les mains percées. L'argent ne reste pas tout ça. Donc, vous pourrez retrouver ça, c'est-à-dire sur mon YouTube SOS Dorlis. Hein? SOS Dorlis. Et j'ai mon autre YouTube aussi qui c'est Afroprod, bouche à oreille. Donc, Afro prod bouche à oreille. Donc, mes salutations à tous. Hein. Mes salutations à tous. Et puis, comme je vous dis, tous ceux et celles qui me donnent des blabla, que bon Dieu bénisse. Hein. Que Dieu vous bénisse. Hein. C'est votre âme et votre conscience. Hein. Donc, tous ceux qui aiment promettre et qui ne tiennent pas leurs promesses. Il faut savoir que, comme la Bible dit, hein, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Hein. Faut savoir que c'est ta propre bouche qui va te faire payer ça tout le temps. Hein. Donc, parce que c'est dans la Bible hein, que ton oui soit oui, hein, ce que tu dis. Et aussi, un jour, ça sort. Tu sais, il ne faut pas mentir aux gens comme ça. Vous voyez que moi-même, je m'abstiens de parce que mentir, parce que la Bible nous démontre que le mensonge, c'est pas bien, c'est mal. Tu dis des choses, tu donnes de l'espoir à quelqu'un, c'est vidéo, et tu viens avec l'intention de le couillonner ou de la couillonner, vous savez, de profiter, d'abuser. Mes frères, ça, c'est pas bon. Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses, il faut réfléchir. Couillonner les gens lâchement comme ça, lamentablement. Mes frères, ça va finir toujours par se retourner contre vous un jour ou un autre. Alors, mes frères, ce matin, ce que je voudrais voir avec vous, c'est l'onction de Jésus. Est-ce que vous connaissez l'onction de Jésus-Christ? Mes frères, apprenez la Bible, mes frères, apprenez la Bible. L'onction de Jésus-Christ. Qui peut me dire, qu'est-ce que l'onction de Jésus-Christ? Qui peut me donner une définition de l'onction de Jésus-Christ? Qui peut me dire, qui peut monter cet ado me dire l'onction de Jésus-Christ ce matin, l'onction de Jésus-Christ? Bonjour. Bonjour.
Salut. Salut. Comment ça Ça va bien, merci. Allez, Pourquoi on lance le match. on a ce match, pas de souci. Il faut qu'il accepte. Waxay ku hadlayaan ma aqaan afkooduna ma garanayo shadii gargaraa. Can you Il speak quoi, English? ne speak English, c'est French. Yes. French, French, French. شكرا مريح. Monsieur Rhin. Là. Il y a quelqu'un qui est parti là, je sais pas. Je Oui. cherche. Attends, je cherche quelqu'un. J'ai fait une recherche. On a besoin de quelqu'un pour faire match. Si quelqu'un veut monter pour qu'on fasse match. Gamin. Alors, ils sont partis, c'est pas grave. Alors, je disais, mes frères, connaissez-vous la dévotion de Jésus-Christ, la signification de la dé, de l'onction, excusez-moi, connaissez-vous cette onction de Jésus-Christ? Eh bien, vous devez comprendre que l'onction de Jésus-Christ, c'est un rituel de dévotion. C'est bien d'où chez les Juifs, hein? Chez les Juifs, c'était un rituel, c'est-à-dire de dévotion. Mes frères, vous comprenez? C'est un rituel de dévotion. Donc, vous allez me dire qu'est-ce que c'est la dévotion. Parce que, puisque je vous dis que, je vous ai dit que c'est un rituel de dévotion. Donc, la dévotion, mes frères, c'est le dévouement. Donc, c'est le dévouement et zèle, c'est-à-dire déployer, c'est-à-dire sous une forme, c'est-à-dire liturgique. Liturgique ou par, c'est-à-dire des pratiques régulières. C'est-à-dire privé en l'honneur, c'est-à-dire de Dieu ou des saints. Est-ce que vous comprenez? Jésus, ce n'était pas liturgique. Hein? Jésus, c'était parce que Jésus nous disait, il faisait ce qu'il voyait que son Père faisait. Donc, c'était en privé. Jésus avait un dévouement et il déployait, c'est-à-dire son énergie. Son temps, c'est-à-dire sous une part, c'est-à-dire des pratiques régulières privées en l'honneur de Dieu, mes frères. Et oui, c'est ça la dévotion. C'est d'où que Jésus, il était consacré. C'est ça veut dire, c'est quelqu'un qui est consacré, qui est au service, c'est-à-dire du Père. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que ce rituel de dévotion a été accompli, c'est-à-dire par une consécration.
Et cette consécration, elle a été faite, c'est à dos par Marie Madeleine, qui veut dire par l'onction, ça veut dire en versant l'huile sur la tête de Jésus. Marie Madeleine avait oint Jésus, hein, c'est sûr, c'est ça le rituel de dévotion. Donc il avait oint Jésus au service, c'est à dos de Dieu, de son Père. Et de là, mes frères, que Jésus était devenu roi, il était devenu Méthias, le sauveur de l'humanité. Mes frères et sœurs, ne soyons pas mes frères, donc c'est là, mes frères, que vous allez comprendre. Hein? Je vais vous lire et après, on va, parce que je dois vous aider à comprendre. Vous savez d'où la mission de Jésus sur terre. Donc, je vous lis ça d'abord et après, on va voir quelques versets, c'est à nous de référence. Mais prions d'abord, c'est à nous, Dieu le Père, en faisant la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais délivrez-nous du mal. Amen. Car à toi appartient le règne, la puissance, la gloire pour le siècle des siècles, ainsi soit-il. Seigneur Papa Yahweh, merci de nous avoir permis de passer un excellent week-end, Papa Yahweh, sous ta garde, ta bénédiction, Papa Yahweh, riche, Papa Yahweh, en émotions. Et dans ta parole aussi, Papa Yahweh, dans nos activités. Aussi de permettre que ce matin nous eussions pu nous lever, Papa Yahweh, ce matin encore pour être là, Papa Yahweh, parce que tu aurais pu décider autrement, mais merci, Papa Yahweh, pour la vie que tu nous prêtes ce matin encore. Merci pour la santé, Papa Yahweh, que tu nous donnes encore ce matin. Merci pour ta grâce, tes bénédictions, Papa Yahweh. Merci, Papa Yahweh, pour ta protection. Merci, Papa Yahweh, pour la nourriture, les vêtements, pour le souffle de vie. Merci, Papa Yahweh, pour toutes bonnes choses que tu as accomplies dans nos vies et que nous oublions de te remercier, de te rendre grâce. C'est pour cela, Père Céleste, je viens ce matin te rendre grâce, Papa Yahweh, d'exaltier ton nom, d'élever ton nom devant le monde entier, Papa Yahweh, qu'il sache que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui a tout pouvoir sur l'humanité. Papa Yahweh, l'humanité n'est rien entre tes mains qu'un grain de sable. Ce matin, Papa Yahweh, nous prions, Papa Yahweh, pour que tu nous portes assistance. Nous prions, Papa Yahweh, pour ta protection, ta bienveillance, Papa Yahweh, au nom puissant, glorieux de Jésus. Père Céleste, éclaire nos vies. Père Céleste, écrase les œuvres du ténèbre. Père Céleste, écrase toute puissance diabolique, toute attaque, Papa Yahweh, dirigée contre nous. Toute emprise psychique, Papa Yahweh, soit démantribulée au nom puissant, 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 glorieux de Jésus-Christ. Oshékélé baba baba baba, Papa Yahweh, attaque à la racine. Attaque à la racine, Papa Yahweh, tout ce sel qui s'attaque à ma vie, à celle de ma mère, Papa Yahweh, à tes serviteurs, servantes, Papa Yahweh, place-les sous ta garde, Papa Yahweh, ta pleine bénédiction.
Ô Père céleste, nous te prions au nom de Jésus. Nous élevons la voix, Alléluia, Papa Yahweh, que ta parole habite nos cœurs, que ta parole demeure dans nos cœurs. Tu es Yahvé, ta voix sainte, tu es Yahvé, trois fois saint. Gloire à toi, gloire à toi, qui était mort, gloire à toi, gloire à toi, qui était mort, gloire à toi, qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, mais la foi de ton Église, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, cette paix. Donne-lui toujours cette paix. Cette paix est conduite-la vers l'humanité parfaite, toi qui règnes pour les siècles, que des siècles. Qui ne cesse de sanctifier le peuple, que tu rassembles sans distinction de race ni de frontière. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique, nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, au nom de ton Fils Jésus, donne-nous l'esprit, donne-nous ton esprit, donne-nous l'esprit. Ô que, ô viens, Esprit Saint, viens, Esprit, Esprit
et fidèle, viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton esprit. Allume en eux le feu de ton esprit. Allume en moi le feu de ton esprit. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous dirige vers les verts pâturages. À lui la gloire, à lui la gloire et la puissance, à lui la gloire et la puissance, que son nom soit exaltié, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous habiter. Viens, Esprit de gloire. Manifester la joie dans nos vies, viens manifester la joie dans nos vies, viens manifester la gloire de Dieu dans l'humanité. Viens, Esprit de Dieu, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit. Et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui es instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations, consolations par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, ô Esprit Saint, je t'implore humblement, sois avec moi toujours, afin que je vive constamment sous ton inspiration. Ô très saint et très adorable Esprit, fais-moi entendre votre douce et aimable voix. Je veux être devant vous comme une plume légère
afin que votre admirable souffle m'emporte où il veut, et que je ne lui oppose jamais la moindre résistance. Mes frères et sœurs, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit de vérité, viens dans nos cœurs donner au peuple la clarté de ta lumière, afin qu'il te plaise, il te plaise dans l'unité de la foi. Salut Livia, je te fais d'énormes bisous. Livia, Naomi, Ezra et tout le reste. Hein. Messieurs, je vous serre la pince. Hein. Je vous serre la pince, messieurs. Je vous serre la pince. Alors, bien, mon cabas, c'est un gros choc. Hein? Choc, un gros choc. Donc, il y a dit tchèque en créole. Nous avons tchèque. Hein? Un gros choc. Alors, je vous salue, mes frères et sœurs. On est dans ce premier jour, c'est à doux de la semaine. Du moins, c'est le deuxième jour. Hein. Il faut savoir que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Il faudrait qu'on y mette un débat sur ça. Hein. Que pensez-vous de ça? Hein? Pourquoi les hommes ont-ils changé, c'est à doux le jour de la semaine? Parce que vous savez que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Hein. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le lundi, c'est le deuxième jour de la semaine. Donc, en faisant ça, mes frères et sœurs, est-ce que les hommes n'ont pas changé quelque chose? Parce que je vais dire que pour nous, c'est pour nous, peut-être que nous ne sommes pas dans la politique. Nous sommes, vous savez, si on n'est pas, on suit pas le système du monde. Mes frères, ben, peut-être que il y a des choses qu'on ne sait pas parce qu'on va, on ne va pas se renseigner. Pourquoi les hommes, ils ont mis le lundi, le premier jour de la semaine? Ça a bel et bien une signification. J'ai dit que ça a bel et bien une valeur pour eux. Si Dieu, le Créateur, mes frères, a établi le dimanche, le premier jour, qui sommes-nous, c'est à nous, pour venir enlever le premier jour de la semaine et mettre le premier jour de la semaine un week-end, mes frères? Alors que dans la Bible, mes frères, depuis Genèse, la Bible nous dit que Dieu s'est reposé le septième jour. Mais le septième jour, c'était quoi? C'était le samedi. C'était le vendredi. Ça commençait le vendredi. Et le samedi, c'était le jour du repos. Mes frères, le samedi, c'était le jour du repos. Et le dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Mes frères. Donc, mes frères et sœurs, la question que je voudrais vous poser, est-ce que du fait que les hommes, ils auraient changé, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, par un lundi, est-ce que aussi ça n'a pas aussi des conséquences sur notre ère? Parce que personne ne se pose la question, mais est-ce que ça n'a pas des conséquences? Parce que Dieu, il est Dieu, savez-vous que Dieu, il a établi cet ado un ordre, n'est-ce pas? Il a établi un ordre qu'on doit respecter aussi. Donc, quand on voit, par exemple, quand Dieu dit « n'adorez pas les idoles, on adore les idoles », dans l'Ancien Testament, on voyait la sentence. Mais Dieu dit qu'il s'est reposé le septième jour, mes frères. Et les hommes, ils ont changé le septième jour, hein? Ou bien il y en a qui ont gardé le septième jour, mais pourtant le dimanche aussi c'est un deux, c'est. Mes frères, il y avait combien dans la Bible, mes frères, il y avait pas deux week-ends, hein? Ça, il y avait pas deux jours de repos, hein? Vous savez ça. Donc vous savez d'où, réveillez-vous, mes frères, il y avait pas samedi et dimanche. J'ai dit, il n'y avait pas depuis vendredi soir, tu fais trois, samedi soir, tu fais trois, et puis dimanche matin, tu rentres chez toi, et puis tu vas te reposer pour lundi aller au travail. Mes frères, la Bible dit Dieu a travaillé pendant 6 jours. Vous comprenez? 6 jours de la semaine, pas 5 jours, hein? Pas 5 jours. Pas 5 jours, n'est-ce pas? C'est vrai que Dieu a commencé son travail dimanche, lundi,
mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, Dieu s'est reposé. Vous voyez, donc ça veut dire que le jour du repos, c'est pas samedi. Le jour du repos, mes frères. C'est bien ça, regarde, je reprends, attends. Dimanche, je regarde si je me suis trompé, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, fait 5. Et vendredi, ça fait 6. Et samedi, c'est le samedi, c'était le 7e jour. Puisqu'on a commencé par dimanche, c'est bien ça. Donc, ça veut dire que mes frères, les adventistes ne respectent pas le sabbat parce que le sabbat ne tombait pas un samedi. Le sabbat, c'était le vendredi puisqu'on a vu pour Jésus. Vous vous rappelez? Chez les Juifs, le sabbat, c'était vendredi puisque le lendemain matin, ils sont allés, c'est-à-dire, parce que Jésus est mort un vendredi après-midi. C'était le sabbat, là, à 18h, c'était le sabbat commençait. Hein? Donc, c'était un jour de sabbat quand Jésus est mort. Jésus est mort un jour de sabbat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que parce que j'ai dit, comme le monde, ils ont erroné les choses. Donc, le plus souvent, les gens, je crois, Jésus est mort un vendredi ou un jeudi. Je crois, soit Jésus, il est mort la veille du sabbat. S'il est mort le jeudi, il est mort la veille du sabbat. Et on nous dit que le lendemain matin, c'était le sabbat. Et le sabbat, c'était vendredi. J'ai dit que même les adventistes sont dans l'erreur. Mes frères, c'est pas samedi, mes frères, puisque samedi, c'est, attends. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, 6e jour. Donc, Dieu a travaillé le vendredi. Oui. Oui, ça tombe, le 6e jour tombe un vendredi. Et le 7e jour, donc, ouais, le 7e jour, moi-même je suis égaré, vous savez, je vous parle là même, je suis perdu, parce que comme on a l'habitude de faire du lundi au lundi, quand je parle du dimanche au machin, moi-même, je suis égaré. Parce que j'ai pas l'habitude. Donc, vous voyez, je reprends parce que moi-même, je suis complètement perdu. Donc, on a dimanche, premier jour, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et... Attends, non. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est 6e jour. Donc, ouais, Dieu s'est reposé le samedi, ouais, c'est ça. C'est bien ça, l'adventiste, ils ont bon. Ça m'a égaré. C'est le samedi. Jésus est mort le vendredi après-midi, donc le samedi, c'était le sabbat. Donc, savez-vous, dans la Bible, mes frères, ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis un moment, dans la Bible, il y a pas 2 jours et demi de repos, hein. Parce qu'il y en a qui sortent le vendredi, c'est-à-dire à midi, ils ont fini. Donc après, tu as de midi jusqu'à samedi. Samedi jusqu'à dimanche. Ça veut dire dimanche jusqu'à lundi. Ça vous fait presque 3 jours. Donc il y en a, ils ont pratiquement, mes frères et sœurs, 2 jours et demi de repos. Il y en a qui sortent plus tard, 2 heures. Mais je vais dire dans la Bible, mes frères. Dieu ne s'est pas reposé 2 jours et demi, hein, ni 2 jours. Hein. Dans la Bible, Dieu s'est reposé, c'est-à-dire un seul jour, la Bible dit. C'est le samedi, c'est un seul jour. Il a commencé son travail dimanche et il a terminé samedi. Donc, mes frères, nous devons comprendre, mes frères, que dans la Bible, dans la Bible, à l'époque des Juifs, il y avait un seul jour de repos. Il y avait un seul jour. C'était un jour unique de repos qu'il y avait. C'est pour vous dire, vous savez donc que c'est pour vous dire comment nous qui sommes là, nous sommes fainéants. Nous sommes fainéants et puis nous sommes aussi erronés. Parce que
parce que les Juifs n'avaient pratiquement pas de repos. Le seul jour de repos qu'un Juif avait, c'est le jour qui était réservé pour Dieu. C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Pour nous, c'est le jour du Seigneur, le jour pour aller à la messe. C'est le seul jour le Juif avait. Le sabbat commençait, c'est-à-dire le vendredi soir à 18h au coucher du soleil, et ça finissait le samedi soir au coucher du soleil. Donc, mes frères, savez-vous que ce que j'essaie de vous faire comprendre, un juif n'avait pas de jour de repos. Vous comprenez? Il n'y avait pas de jour de repos à l'époque des juifs, des Israélites, tout ça. Il n'y avait pas de jour. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent oui. Je suis fatigué là, je prends un jour de repos. Je suis fatigué, je travaille toute la semaine. Vous savez, la personne travaille que 5 jours, hein. 5 jours, hein. La personne a 2 jours et demi de repos, il se plaint. Alors, mes frères et sœurs, quand on remonte, c'est-à-dire bibliquement, qui veut dire que les choses étaient dans l'ordre de Dieu, quand c'était dans l'ordre de Dieu, pas celle du monde. Mes frères, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, mes frères, il fallait respecter le sabbat. Mais le sabbat, mes frères, ce n'est pas un jour qui était réservé pour un juif. Si Jésus était un juif, ce jour-là n'était pas réservé. Le sabbat, c'est un jour qui appartient à Dieu. C'est un jour que les gens allaient dans la synagogue pour prier, pour offrir des sacrifices, ou pour expier leurs péchés, ou pour prier pour le peuple, ou pour leur famille. Mes frères, pour être en présence de Dieu, mes frères. Et vous savez donc qu'au bout du compte, vous savez que si vous connaissez la Bible, vous savez que le jour du sabbat, le prêtre travaille. Vous savez que le prêtre lui travaille puisqu'il est consacré. La Bible dit, et parce que Jésus avait fait ce remarque-là concernant David et le, quand il est rentré, ils avaient faim, lui et son armée. Ils sont entrés prendre le pain de sacrificateur, ils avaient mangé. Le sacrificateur lui avait donné, alors que ce pain était réservé pour Dieu, hein, pour le peuple, pas pour, donc, c'était un pain consacré qui était réservé pour Dieu. N'importe qui ne pouvait pas en manger. Donc, mes frères, je vais dire que ce que Dieu essaye de me faire comprendre, mes frères, nous sommes paresseux, nous nous plaignons, aujourd'hui, tout le monde se plaint. Mais le juif, lui, mes frères, il ne connaissait pas le repos. Et à l'époque des juifs, mes frères, il n'y avait pas les machines d'aujourd'hui, il n'y avait pas les tracteurs, il n'y avait pas de voitures. Tout c'était manuel, mes frères. Tout était fait manuellement. Vous comprenez? Donc, tout c'était manuellement, c'était à la main, c'était avec vos 2 pieds, vos 2 bras, mes frères. C'était à la force de vos bras, de vos jambes. Vous comprenez? La force de vos pectoraux, de vos tripes, mes frères. Hein? Savez-vous quand, par exemple, il fallait sillonner, faire des champs, faire des sillons, tout ça, eh bien, ils mettaient un truc derrière, et puis ils attachaient ça à un bœuf, à une vache, un taureau. Et puis, il fallait que tu sois derrière pour que le taureau tire tout ça, du matin jusqu'au soir, sous le soleil, mes frères. Donc, imaginez que toi, tu es là, tu travailles de 6h du matin à 6h du soir. Mes frères, comme ça là sous le soleil, tous les jours. Et le seul petit jour que tu as, elle ne t'appartient pas. Tu vois, le seul petit jour qu'il y a, elle ne t'appartient pas. Ce seul petit jour là, mes frères, tu ne peux pas même te reposer. Savez-vous qu'il faut ouvrir nos yeux, les Juifs, ils se reposaient jamais. Parce que le jour du sabbat, ils étaient en prière, mes frères. C'est pas comme quand tu vas à l'église. À l'église, les gens, ils sont assis là, ils attendent, mais un juif, c'est pas un chrétien. C'est comme, par exemple, quand vous prenez les musulmans. Je connais mal leur religion, mais j'ai déjà observé. Un musulman, lui, les musulmans sont pas comme nous. Parce que eux, ils prient au moins 5 fois par semaine, et même le jour du sabbat, je suppose. Donc, ils savaient donc qu'un musulman n'est jamais il n'est jamais en repos, il se repose pas parce qu'il est tout le temps en présence du Seigneur, tout le temps à prosterner, à adorer. Les Juifs, c'était pareil, mes frères. Donc, savez-vous, quand les gens étaient juifs, mes frères,
Quand ils allaient le jour du sabbat, ils étaient dans la synagogue, ils priaient, ils louaient Dieu, mes frères, et ce n'était pas savé d'où que tu venais comme maintenant là. Peut-être qu'il y en a qui restaient toute la journée. Il y en a qui restaient là toute la journée, il y en a qui restaient là jusqu'à 18 heures, hein, parce que le sabbat c'était à 18 heures. Hein. Donc il n'y avait pas d'heure non plus pour que les gens repartent chez eux. Hein. Il y en a peut-être qui restaient passer la journée là en prière. Il y en a peut-être qui partaient, mais il y en a qui restaient là. Mes frères, donc, mes frères, ça nous démontre, mes frères, que les Juifs, ils travaillaient constamment. Constamment, 6 jours, ils travaillaient pour eux, pour leur famille, pour la société. Et le septième jour, ils travaillaient pour Dieu. Le septième jour, ils étaient au service de Dieu. Ils étaient en présence de Dieu. Ils adoraient Dieu. Donc, et quand le septième jour était fini, c'était le dimanche qui arrivait à nouveau. Et le dimanche, c'était le jour de la reprise. Mes frères, mais samedi, tu étais en prière. Tu as fini vendredi ton travail. À quel moment tu te reposes, puisque depuis le vendredi soir, les gens devaient préparer cet adou le repas, parce que le samedi, ils ne devaient pas travailler. Donc, à quel moment, la question, à quel moment je se reposais? À quel moment? Puisque jeudi, lundi, dimanche au vendredi, tu travailles. Le vendredi soir, tu dois commencer à préparer ton sabbat, à faire tous les repas, nettoyer ta maison, mes frères, parce que le juif devait nettoyer la maison devait pas être sale. Donc, le vendredi soir, il fallait tout préparer. S'il y avait des linges à laver, il fallait laver les linges, ranger, parce que c'était comme ça. Donc, à quel moment tu as fait tout ça? Quand tu finis, tu es fatigué, tu vas dormir. Demain matin, tu dois te lever pour aller. C'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, tu es en prière, tu jeûnes, tu machins, mes frères, et dimanche arrive. Donc, tu n'as pas de jour de repos au bout du compte. Tu n'as pas de jour de repos. Mes frères, ouvrez nos yeux. La société nous a inculqué des valeurs humaines. Des valeurs humaines. C'est pour ça, aujourd'hui, les gens, quand ils travaillent, ils disent, ah, moi, je travaille 5 jours, week-end, vous savez, ils sentent comme si, parce que ça, c'est le monde. Mais Dieu, mes frères, Dieu n'a pas choisi le repos pour nous, hein. Vous savez ça, Dieu n'a pas choisi de repos pour l'homme, hein. Vous savez, quand je lis la Bible, mes frères, quand vous lisez la Bible, quand moi je lis la Bible, depuis le commencement, les Hébreux, tout ça, Dieu n'a jamais choisi de jour de repos pour les Hébreux. Il n'y avait pas de jour de repos pour qu'un Hébreu puisse rester là, se palasser au soleil. Qui veut dire que tu vas à la plage, que tu vas. Et oui, les Juifs, ils avaient presque pas de vie. Ça veut dire que leur vie, c'était consacré à Dieu. Mes frères, parce qu'il faut savoir que les Juifs, les premiers Juifs, ce sont des Hébreux. C'est d'où c'était des Hébreux, les Israélites, Israélites après, mais au départ, c'était des Hébreux, mes frères. Des Hébreux, mais les Hébreux, là, mes frères, ils n'avaient pas de jour pour se palasser, il n'y avait pas de jour machin. Hein? Bien sûr, vous allez me dire qu'il y en a qui ne travaillaient pas. Je sais qu'il y en a qui ne travaillaient pas, de toutes les façons. Mais comme la semaine, mes frères, comme à l'époque aussi, il faut savoir qu'Israël, c'est un système, c'était indépendant. Donc, c'est ce que tu gagnais, tu mangeais aussi, hein, c'est ce même système-là. Bien sûr qu'il y avait aussi les œuvres caritatives, ça existait, donc aussi. Bien sûr, ça existait. Parce que je suppose que les Juifs s'entraident entre eux aussi, puisque c'est dans la Bible. La Bible disait nous dit si quelqu'un te demande un pain, tu lui dis dehors. Donc ça existe aussi. Mais après, je vais dire que. Il faut comprendre ce que Dieu a établi. Et puis, il faut comprendre aussi que je t'ai vu, tu étais à vélo. Ouais, hier, quel jour tu m'as vu. Donc, mes frères, vous devez comprendre qu'il y a ce que l'homme a décidé, puisque l'homme a le libre arbitre. Hein? Tu as le libre arbitre.
de toutes les façons, parce que les 6 jours de la semaine, c'est bidou que c'est pas Dieu. Ah, samedi, ah ouais. Donc, vous voyez, les jours, 6 jours de la semaine, c'est pas Dieu qui décidait, vous savez, donc pour le peuple. Le peuple était libre. Si tu voulais pas aller travailler, tu pouvais ne pas aller travailler. J'ai dit que il y avait aucune obligation que tu ailles cet ado travailler. Ah, sauf que au début, oui, parce que au début, si on parle des 12 tribus, si vous connaissez les 12 tribus d'Israël, donc là, ça a commencé là, lorsque Satan, c'est Satan qui a eu l'idée, cet ado du recensement du peuple. C'est pas Dieu, hein. Dieu n'a jamais demandé de recenser les gens. Vous savez que le recensement là, c'est l'œuvre du diable. Et ça a été considéré comme un péché biblique. C'est un péché qui a été fait. Parce que Moïse ou machin, il n'aurait jamais dû faire le recensement, la Bible nous dit. Parce qu'il nous dit que le recensement là ne venait pas. C'est le diable qui a créé le recensement. Le recensement, c'était pour diviser. Vous comprenez, c'était pour diviser. C'est ça, il fallait diviser pour mieux régner. Et c'est à partir de là, ils vont créer les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire qu'ils se sont divisés. Tribu de Dan, c'est la tribu de Dan était avec Dan, Judas. Eh bien, mais cette idée-là est venue du diable. Alors qu'avant ça, ils étaient un peuple. Ça veut dire, il faut pas confondre tribu et peuple. Hein. Quand tu es dans un peuple, c'est comme en Martinique, il n'y a pas de tribu. On est un peuple, on est tous, on a les mêmes faveurs. Alors que quand on parle de tribus, il faut savoir que quand il y a 12 tribus, ils n'ont pas les mêmes faveurs. Et oui, parce qu'il y avait des tribus qui étaient plus importantes. Il y avait la tribu qui était au sommet. Il y avait la tribu qui était au sommet et puis les autres tribus qui étaient plus bas, qui étaient dirigées par celui qui était en haut, comme Anne et Kef. Donc, et Mefker. Donc c'est là que Mefker que il faut faire attention. Hein. C'est là. Donc Mefker, je continue pour que vous compreniez que c'est à nous un rituel de dévotion. C'est quoi? Vous devez comprendre que les lecteurs bibliques sont familiers. Ils sont familiers avec le terme c'est à nous Messie, qui veut dire Métias, qui veut dire Sauveur. Jésus était le Sauveur. Le Sauveur ou le Rédempteur, c'est à nous, le Rédempteur. Hein, Jésus est le Rédempteur. Cependant, tout le monde ne sait pas que ce mot est d'origine, c'est à nous, hébresque, hébreu. Vous savez, ils ne savent pas que c'est d'origine, c'est à nous, hébresque, hébreu. Mes frères, ils ne savent pas cela. Donc, vous devez comprendre que dans l'ancien Israël, les rois étaient, couronnés. Ils étaient couronnés, c'est-à-dire par l'huile. Vous voyez, on versait l'huile sous la tête du roi, ça c'était la couronne. Comme chez César, il faisait ça avec des branches de, hein, il faisait ça avec une sorte de branche d'arbre, après s'ils sont machin. Mais chez les Juifs, la couronne c'était l'huile. Hein? La couronne qu'ils recevaient, c'était l'huile qui venait de la sainteté. La sainteté, ils recevaient la sainteté de Dieu. Hein? En versant l'huile sur la tête, ils étaient consacrés au roi. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc c'est là qu'il faut comprendre que dans l'ancien Israël, les rois étaient couronnés, c'est-à-dire par l'huile qui leur était versée sur la tête. Et nous sommes consacrés par l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pour ça qu'on voit des lampes de feu. C'est pareil, mes frères. Ça veut dire ça, c'est la consécration. C'est comme ça Dieu consacrait, c'est-à-dire ses élus, ses rois, ses prophètes à l'époque. Mes frères, vous devez comprendre, ça c'est un rituel. Vous devez comprendre que ce rituel sacré, c'est un rituel sacré qui est là. Ce rituel sacré a été, c'est-à-dire, appelé Messicha, ce qui veut dire ou onction. C'est ce, ça veut dire qu'aujourd'hui on appelle onction. Souvent on nous dit onction ou oint. Donc, mes frères, vous devez comprendre que pour cette raison, le roi était appelé aussi Machiach, ou c'est-à-dire loin, qui veut dire le loin de Dieu, le loin.
Donc, ce qui signifiait, mes frères, que vous devez comprendre, lorsque Jésus il était loin, le peuple devait se préparer à l'arrivée du roi, Métias, du Sauveur. Donc, mes frères, se préparer, c'est à l'arrivée du roi. Vous devez comprendre, comme tous les Juifs, et oui, tous les Juifs, Marie attendait cet ado avec ferveur. C'est à dire l'arrivée promise, c'est à dire du roi rédempteur, de la lignée, c'est à dire de David, de la tribu de Judas, mes frères et sœurs. Alors, oui, bien sûr, alors, que Jésus dînait chez Simon Pierre, vous connaissez sinon Simon le lépreux, pas Pierre, Simon le lépreux, à Béthanie, elle versa un pot, c'est à dire entier d'huile parfumée, précieuse, c'est à dire sous sa tête, qui veut dire sous la tête de Jésus. Et par là, mes frères, vous devez comprendre que Marie savait, oui, elle savait que cela devait être, c'est à dire fait. Oui, cela devait être fait pour que sa destinée Métiassa puisse être accompli. Oui, pour que Jésus puisse aller à la croix, pour qu'il puisse être couronné, c'est-à-dire par la couronne d'épines, roi des Juifs. Mais parce que Marie l'avait déjà oint comme moi. Hein? Mes frères et sœurs, ce que vous devez comprendre, seule l'huile, justement, seule l'huile la plus précieuse parfumée, on a conviendrait pour oindre cet ado, le fils cet ado de Dieu. Oui, le fils de Dieu, le seul et l'unique, ce Jésus qui est mort sous la croix. Et par là, mes frères, je voudrais que vous compreniez, mes frères, que nous revenons en arrière, faisons un retour cet ado en arrière. Bien sûr, retour cet ado à la source, cet ado des Écritures. Dans sa pure traduction ou dans sa langue natale qui est l'hébreu, mes frères, l'hébresque, mes frères. Et par là, je voudrais que vous compreniez, mes frères et sœurs. Marie a pris, c'est à dire, les choses, c'est à dire, en main. Oui, il fallait quelqu'un pour prendre les choses en main. Il fallait quelqu'un qui décide, oui, d'oser, c'est à dire, faire ce que personne n'aurait fait. Dans tous les temps, mes frères, il faut toujours quelqu'un. Parce qu'on a vu que Jésus, quand il est venu dans le monde, mes frères et sœurs, Jésus, il a osé faire ce qu'aucun homme n'avait jamais fait. Fait, mes frères, mourir. Mourir. Parce que la Bible nous dit, si tu es juste, peut-être qui va mourir pour toi. Peut-être, oui, quelqu'un qui fait le bien, peut-être un juste ou quelqu'un, mais si tu es machin, hein? Mais mes frères, pour un juste, mais pour l'humanité, pour un juste, quelqu'un qui fait du bien ou un juste, peut-être il y aura un ou deux qui vont accepter, mes frères, mais pour l'humanité, on n'a jamais vu ça. Quelqu'un peut accepter de mourir pour quelqu'un qui fait du bien, comme la Bible dit, mais personne n'a jamais accepté de mourir. Bon. Salut. Salut. Ça Ça va? va? Ouais, tranquille, tranquille. Mort de rire, papa. Enfin, tu veux faire un match? Ouais, pas de souci, on voit l'invitation, fais péter l'invitation. Justement, j'allais proposer. Allez, je fais péter l'invitation, tiens. Mort de rire, papa. Ouais, bon, t'as déjà reçu, j'ai rien reçu, et les bandes de bras cassés là, je vais prendre mon fouet, j'ai déjà dit ça, j'aime pas. Vous êtes là, vous tapotez pas. Et vous voulez que je...
veille, ils sont tapotés encore. Salut à ce bel. Je ne vais plus dire de tapoter. Merci Mamis, Je merci dis Papa c'est pour l'autre parce que si tu cette parles de tapoter, mais bon, après quand je dis tapoter, c'est qu'il y a des gens comme Livia disait qui prennent les choses en cours de route. Donc ils ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas. Donc on dit tapoter parce qu'il y en a des gens qui ont tout le live aussi. Hein. Donc, fatigué. aussi, je suis fatigué. Ah ouais, sur le dimanche, c'est ça. Le lundi, je vais dire, c'est toujours fatigant quoi, de se lever. Pas facile, hein? Pas facile, mais bon. Alors, ça a bugué, hein? Ça a bugué, mon truc bug ce matin, je ne sais pas. Et Orange, vous faites bugger mon truc là, on est quoi là? On est que le 14, on va dire ma gueule. La dernière fois, le 27, je crois, au 27, j'avais plus de giga. La dernière fois, je crois, c'est à partir du 27 ou 20, mais c'était dans les 20 et quelques, 20. T'as plus Beaucoup de de giga. giga, ça tient beaucoup TikTok. Ouais, comme je fais beaucoup, je faisais beaucoup de live. Je suis du matin jusqu'au, ça avait bouffé tous mes gigas. Moi, si là, j'essaie de faire moins de live. Je Ouais. fais, mais j'essaie de rester moins longtemps Ouais, moins longtemps. Hein. moins longtemps, parce que ça bouffe. Bah TikTok, oui, ça bouge bien. C'est donc, avant, c'était illimité. Quand je faisais les abonnements Internet, c'était illimité, mais il n'y avait pas TikTok. Tu vois, c'était illimité. Tu faisais un abonnement, il n'y avait pas de limite. Mais maintenant, limité. Je suis assez Donc, d'accord. ouais, mais c'est parce que, tu sais pourquoi ils font ça? Non? Parce que le monde entier, ils ont déjà leur abonnement. Donc, les gens ne font plus d'abonnement. Oui, voilà, Donc, prends vie. voilà. Ils ne font plus d'abonnement. Donc, il faut qu'ils trouvent un moyen pour Merci, survivre Mamis. aussi. Donc, alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est de mettre par giga. Comme ça, quand tu as 3 gigas, c'est pas assez. Tu achètes 10 gigas, 30 gigas. Tu achètes 50, 30 gigas, 80, 100 Ça doit gigas, te coûter 120. Tu cher si vois, tu donc, rachètes des gigas à chaque fois. Non, c'est un abonnement. Ça veut dire qu'on fait l'abonnement. Ah oui, voilà, avec Justement, l'abonnement, ok, ouais. je devais leur appeler là parce que, ah ouais, elle m'avait dit, il y a un abonnement. Ouais. J'avais oublié ça. Parce que ça allait me suffire là. Je crois 120 gigas, c'est un prix intéressant. Je vais appeler pour tout le monde. En parlant de ça, tu m'as fait penser à. Il y a un abonnement intéressant qu'elle m'avait dit. J'ai complètement oublié ça. Moi, je sais que je suis en illimité, après. Ouais, mais quand t'as un limité, t'es plus chanceux que moi parce que Merci, t'as papa. pas de fond. Mais ça doit être cher. Bah, je paye 45 euros par mois de forfait. Ah bon? Ouais. Tu blagues là. Bah non, pourquoi je blaguerais? Mais me dis en tout cas. C'est quoi, Attends, pourquoi je paye trop cher pour toi ou je paye moi pas assez cher? Je prouve que tu paies moins cher que moi. Je vais dire pour moi parce que je paie presque 40. Ça va, si je fais là, je vais payer presque 40 euros. Tu me dis, et je ne serai pas en illimité, je vais avoir 120 gigas et tu me Ouais. dis 45 euros, tu es illimité. Mais regarde, il y a Bah un oui, fossé immense. chez Bouygues Télécom, moi je suis à 45 euros, je suis en illimité. Mais j'aurais dû mettre ça ici aussi, 45 euros illimité, Bah j'aurais oui, pris. mais ça fait longtemps que je suis en illimité sur mon forfait. Merci les amis. Ah bon? Faut que tu changes. Tu sais, tes forfaits, faut les changer. Si tu restes toujours sur le même, tu te fais avoir. Hein. Faut penser que c'est des commerciaux, ces gens-là. Non, Tout ce qui est SFR, Bouygues Télécom. moi je suis orange. Orange. Mais ou Orange. Orange, quoi, un des trois, quoi. En tout cas, faut pas le compter parce que pour les renouvellements, c'est compliqué pour les téléphones, mais.
Mais il n'y a pas ça ici. Ils ont enlevé les. Avant, c'était en illimité, Ouais, ils c'est pas ont con. enlevé ça. Ils ont enlevé. Hein. Ouais. Je ne sais Bah même écoute, pas si c'est ici. je te souhaite une bonne après-midi. Ouais, ben à la prochaine. Ouais, À la bye. prochaine, salut. Bonne semaine. Mes frères, est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Ça veut dire illimité pour 45 euros? On nous couillonne. Alors, je reprends là où j'étais, mes frères. Je disais que on doit revenir, c'est-à-dire à la source, c'est-à-dire des Écritures hébraïques. Et c'est là, comme je vous disais, que Marie a pris, c'est-à-dire les choses en main. Et a simplement fait ce que personne d'autre n'avait le courage, c'est-à-dire de faire. Proclamer Jésus de Nazareth, le Messie, qui veut dire le roi des Juifs. Métia Sauveur, roi des Juifs. Vous comprenez? J'ai dit qu'il faut toujours quelqu'un qui ait le culot, parce que sinon, les Écritures ne vont pas s'accomplir. Parce que quand quelque part il fait un truc, ça veut dire ça peut être Dieu derrière. Marie Madelas, peut-être elle savait pas aussi hein, non plus. Hein. C'est le fait qu'elle croyait, c'est-à-dire au Messie, qu'elle attendait le Messie. Et quand elle a vu les œuvres que Jésus faisait, comme Pierre, ce que Pierre avait dit, c'était pas Pierre qui avait dit ça. Lorsqu'il a dit, Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de Jésus. Dit, c'est pas toi qui je sais pas qui a parlé comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui l'avait animé, qui avait ouvert son intelligence, mes frères, pour qu'ils se rendent compte. Et de là, mes frères, que des fois, les gens, ils peuvent faire des choses parce qu'ils sont animés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu leur amour. Et là, Marie, là, c'est, je pense, c'est l'Esprit de Dieu lui a montré que Jésus était le Messie. Et puis, il fallait le rendre. Il fallait qu'il reçoive l'option, c'est-à-dire d'un roi. Mes frères. Et il fallait bien quelqu'un qui ose le faire. Quelqu'un qui ait le culot de le faire. Et mes frères, c'est là que nous comprenons que beaucoup plus tard, le mot hébreu, c'est-à-dire qui veut dire Messie Sauveur, ou Métias, c'est devenu, c'est-à-dire le Christos, c'est-à-dire grec. Vous comprenez qui veut dire Christ. Christos, veut dire Christ en grec. Parce que, mes frères, le sens, c'est-à-dire des mots change. Parce qu'en hébreu, c'est Sauveur. En grec, il parle de Christ, mes frères. Et de là, mes frères, nous comprenons que et les disciples de Jésus ont été appelés les chrétiens. Les disciples de Jésus ont été appelés les chrétiens. Ça va. Et toi, comment vas-tu? Et nous devons comprendre que le moment est venu, c'est-à-dire de prendre, c'est-à-dire les choses en main. Vous aussi. C'est-à-dire, vous aussi, nous aussi, le moment est venu que nous prenons les choses en main. Ce que moi, je vous conseille, inscrivez-vous à notre cours, c'est-à-dire public, c'est-à-dire en ligne, c'est-à-dire sur TikTok pour vous, ou sur YouTube, pour vous détacher, c'est-à-dire des traductions et de revenir, c'est-à-dire à la véritable source, c'est-à-dire des Écritures. Mais frère, de là, nous allons voir un truc qui est important. On va voir, hein, parce que c'est là qu'il faut comprendre, parce que qui dit Métias veut dire choix. C'est le choix de Dieu. Donc, de là, mes frères, nous allons voir, c'est-à-dire dans 1 Samuel, donc je vous invite à prendre votre Bible, 1 Samuel, le chapitre 3, qui veut dire que Dieu l'a élu. Vous comprenez, comme le roi de l'univers, de l'humanité tout entière, mes frères, et du royaume aussi des cieux, parce que Jésus dirige sous les anges aussi. Mes frères, il domine les anges, n'est-ce pas? Jésus a été élevé plus haut que les anges, la Bible dit. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Donc, mes frères, qu'est-ce que dit la Bible? La parole de Dieu nous dit que le Seigneur dit à Samuel, prends cet ado une corne que tu rempliras cet ado d'huile. Écoutez bien, que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie cet ado auprès de Jessé, cet ado de Bethléem. Car j'ai vu parmi ses fils mon roi. J'ai vu parmi son fils mon roi. Vous comprenez? Emmène avec toi cet ado une génisse et tu diras,
que tu viens offrir, c'est-à-dire un sacrifice au Seigneur. Vous comprenez? Tu convoqueras, c'est-à-dire Jésus, qui vient de Jésus, vous savez c'est qui? C'est le père de David. Donc, tu convoqueras Jésus au sacrifice, je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire, et tu me écoutez bien, et tu me consacreras, c'est-à-dire par l'onction. Vous comprenez? Tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. Donc, Marie n'a pas fait ça par hasard. C'est tout que Dieu lui avait désigné Jésus comme Méthias. C'est pour ça qu'elle a versé l'huile sur la tête de Jésus et puis elle a essuyé les pieds de Jésus avec. Parce que c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Il dit, et tu consacreras par l'onction celui que je te désignerai. C'est comme ça qu'on consacrait les rois dans l'Ancien Testament. Et de là, mes frères, Samuel fut ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint, c'est-à-dire à Bethléem, les anciens de la ville allèrent, c'est-à-dire à sa rencontre, en tremblant, et demandèrent: Est-ce pour la paix que tu viens? Samuel répondit: Oui, pour la paix, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous, oui, purifiez-vous. Et vous irez avec moi au sacrifice. Il purifia c'est-à-dire Jésus et ses fils et les convoqua c'est-à-dire au sacrifice, les frères. Il les convoqua au sacrifice. Il les convoqua au sacrifice. Et nous voyons, lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut cet ado Eliab, il aperçut Eliab, c'est le grand frère de David, je crois. Eliab, il se dit, sûrement, c'est lui. C'est lui le Messie. C'est lui le Messie, vous voyez? Messie veut dire roi. Jésus était le Messie, il était le roi. Vous comprenez? David était le Messie. David est un Messie, Salomon est un Messie. Hein? Messie veut dire roi. C'est ce que ils ont traduit en français. En français, ils ont traduit ça sauveur. Mais en même temps, Messie, c'est roi. Sauveur veut dire roi. Parce que Dieu, c'est un roi. Le sauveur, notre sauveur, c'est un roi. Dieu qui est dans le ciel. C'est à l'époque des Hébreux. Le sauveur, c'était un roi. C'est Dieu qui était le roi. Sauveur, c'est roi. Roi, c'est sauveur. Et de là, vous voyez que Wagosei dit, c'est lui le Messie qui veut dire, c'est lui le roi, le sauveur. Messie veut dire roi ou sauveur. Mes frères, il dit, c'est lui, c'est-à-dire le Messie. Lui qui recevra, c'est-à-dire l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas, c'est-à-dire son apparence. Ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Ni sa haute taille, car je l'ai, c'est-à-dire, écarté de Dieu. Je l'ai écarté. Vous voyez, je dis que Dieu ne regarde pas que tu sois gros, c'est Nixou. Dieu, ça compte pas. Dieu regarde le cœur. David était petit, mais il avait un cœur pur, un cœur noble. Et là, Dieu dit que, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas, c'est-à-dire, comme les hommes. Vous comprenez? Dieu ne regarde pas comme un homme, comme une femme. Vous comprenez? Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent, c'est-à-dire, l'apparence. Les femmes, pareillement. Les femmes et les hommes, ils regardent souvent l'apparence, ou comme ça, tu es comme ça, tu n'es pas comme ça. Ils ne regardent pas ce que tu as au fond de toi. Vous comprenez? Ils ne voient pas toute cette richesse que tu peux avoir, toute cette sagesse, cette connaissance. Non, ils ne vont pas voir ça parce que les gens marchent aujourd'hui à l'apparence. Et dans l'ancien temps, ça existait puisque le verset nous le dit. Hein? Même Samuel avait marché sur l'apparence. Vous voyez? Le prophète même, il s'appuyait sur l'apparence. Et Dieu dit non. Dieu dit, ne considère pas son apparence. Car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais il y a un mais.
Mais le Seigneur regarde le cœur. Vous comprenez? Le Seigneur regarde le cœur, regarde l'intérieur. Et c'est là que Jésus, cet adou, appela cet adou Abinadab. Abinadab, et le présenta cet adou à Samuel, qui dit, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Donc, Jésus présenta cet adou Shammah, mais Samuel dit, ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jésus présenta ainsi à Samuel, c'est-à-dire ses sept fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun, c'est-à-dire aucun de ceux-là. Mes frères, vous comprenez, aucun de ceux-là. Est-ce que mes frères, cela vous invite, mes frères et sœurs, à la méditation? Ça doit vous inviter à la méditation. Est-ce que cela vous invite? Et vous invite, je veux dire. Est-ce que cela vous invite, c'est-à-dire à méditer sur ça? Ces sept frères, aucun d'eux n'a été choisi par Dieu. Pourquoi? Parce que, mes frères, la Bible nous dit que le libre choix, c'est-à-dire de Dieu. De la même façon que nous avons le libre choix, Dieu aussi a le libre choix. Personne ne peut dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Là, c'est écrit dans la Bible. N'est-ce pas? Donc, comme Dieu, nous sommes comme Dieu, et Dieu, il a le libre choix de, comme il dit dans sa Bible, de mettre qui il veut sous son chaise royale. Personne ne peut contester ni empêcher. De la même façon, comme nous sommes des dieux inférieurs, nous avons aussi le libre choix, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le libre choix. Nous avons le choix d'accepter, de choisir ou pas. Parce que Dieu, mes frères, il a ce libre arbitre aussi. Il a son libre arbitre. Mes frères, de là que nous devons comprendre qui est cet adou l'énigme, justement. Qui est l'énigme, cet adou étymologiquement, cet adou la légitimité, mes frères, c'est estimer être cet adou selon la loi. Mes frères, oui, mais qui fait la loi, justement? Qui fait la loi? Qui fait la loi? Qui fait la loi? Qui font les lois, justement? Qui fait la loi? Qui fait la loi? J'ai pas l'impression que vous comprenez ce que je dis. Qui fait la loi? J'ai pas dit qui crée les lois. J'ai pas dit qui crée les lois. J'ai dit qui fait la loi. Ça n'a pas le même sens que qui crée. Parce que là, on ne parle pas de créer. Je dis qui fait la loi, qui règne. Parce que celui qui fait la loi, c'est. Et d'où que dans ta vie, tu fais ta propre loi. Quand on parle de la loi, on parle de ta direction. C'est ça. Quelqu'un fait sa loi, il va dans sa propre direction, sa propre logique. Ça veut dire qu'il impose. Il peut devenir un dictateur. C'est d'où que quand quelqu'un fait sa propre loi, c'est parce qu'il estime qu'il est au supérieur, il est supérieur aux autres, il impose des choses aux autres. Ça, c'est faire la loi. Vous comprenez? Hein? On peut faire la loi, on peut faire sa loi, on peut faire la loi. Vous comprenez? Faire la loi, veut dire, on peut parler des autorités. Les autorités, ben, ils font la loi parce qu'ils règnent. Parce qu'il faut savoir, le mot faire la loi, c'est de régner. C'est d'où on parle de quelqu'un qui règne, qui domine, n'est-ce pas, qui impose. Et on parle pas là, on parle pas de quelqu'un qui crée, on parle qui fait la loi. Mes frères, celui qui fait la loi, celui qui impose, parce que faire la loi, c'est celui qui impose, c'est Dieu. Mes frères, c'est lui qui impose, c'est lui qui établit. Et de là, nous devons comprendre quels sont, c'est-à-dire, les critères retenus. Vous qui êtes là, quels sont les critères qui ont été retenus, c'est-à-dire dans ce récit, mes frères? Il n'y a pas eu grand-chose, hein? Un homme droit, intègre de cœur. N'est-ce pas? Irréprochable. Quand il dit un homme selon mon cœur, c'est un homme qui est droit, intègre. Mes frères, irréprochable aux yeux de Dieu. Peut-être pas irréprochable aux yeux du monde. Parce que certes, même si
C'est là que je dis les gens que vous pouvez vous tromper, mes frères. Vous pouvez vous tromper, mes frères. C'est là, mes frères, la bas blesse et l'ironie, l'hystérique, mes frères, souvent. Et mes frères nous tombent dessus parce que on est comme Job, ou on essaye d'être comme Job, on essaye d'être comme Abraham, Melchisédek, comme Enoch, comme Élie, comme tout, comme Moïse, comme tous ces grands hommes, comme Jésus lui-même, comme Paul. Et on est irréprochable, irréprochable aux yeux de Dieu. Mais ça ne veut pas dire, mes frères, que le monde, parce qu'on est dans un monde aussi, un monde inhumain, ça ne veut pas dire des inhumains, mes frères, que nous sommes, mes frères, qui nous voient, qui nous côtoient, qui nous parlent, que nous sommes irréprochables. Mes frères, ça ne veut pas dire pour eux nous sommes irréprochables. Parce que la Bible nous dit ce qui est la sagesse de Dieu est folie pour le monde, mes frères. Vous comprenez? La sagesse de Dieu est folie. Vous comprenez? Les paroles qui sont sages, qui sont censées sauver l'humanité, paraissent folies, choses fous, choses irréalistes. Vous comprenez? C'est réaliste pour le monde. Donc, ça veut dire qu'il ne croit pas que ces choses-là vont pouvoir se réaliser. C'est qu'on parle de réaliste, c'est qu'il ne croit pas qu'un jour ces choses-là pourront, la paix pourront s'établir, les hommes pourront vivre ensemble, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de ça, les gens vont. Donc, mes frères, c'est pour ça la Bible dit que c'est folie pour le monde, parce qu'il ne croit pas. Mais c'est là que mes frères, que dans le récit, ce que la Bible nous dit, parce qu'un jour, on va voir, parce qu'on a vu pour. On a vu pour Paul, on a vu pour Pierre, c'était des hommes irréprochables. Et donc, mais pourtant, ils ont été tués. On a vu Étienne était un homme irréprochable aux yeux de Dieu, mais pas irréprochable aux yeux du monde, n'est-ce pas? Donc, parce qu'il faut comprendre que Dieu a ses critères, Dieu a ses valeurs, et le monde à côté aussi a ses critères et ses valeurs. Ça veut dire que ce que Dieu ne punit pas, souvent, le monde va le faire. Vous comprenez? Le monde ira à punir, même à tuer, même à frapper. Vous comprenez? Même à menacer, parce qu'ils avaient menacé Paul, ils avaient jeté Paul en prison. Après, ils ont libéré Paul, mais ils les ont menacés. Ils ont essayé d'interdire à Paul de prêcher l'évangile, mes frères. Mais Paul, est-ce que Paul était un bandit, un criminel? Non. Et Paul, c'était l'homme le plus sage de son temps, mais qui est rempli, doté de beaucoup de sagesse, d'intelligence, qui pouvait venir en aide à beaucoup de gens, par la prière, par sa façon de penser, mais aussi à travers la prière, il pouvait, mes frères, les prières de délivrance, de guérison, mes frères. Mais ce que Dieu essaie de vous dire, mes frères, irréprochable aux yeux de Dieu, je ne veux pas dire irréprochable aux yeux du monde, hein. Vous faites irréprochable aux yeux de Dieu, puis le monde vous condamne. Combien de gens qui sont irréprochables aux yeux de Dieu, et puis qui sont, regardez Daniel, lorsque le gars là qui était contre Daniel, il a demandé au roi de Babylone d'écrire cet ado un décret. Pendant, je crois, 15 jours, que les gens ne prient pas un autre Dieu que le Dieu babylonien. Et puis il surveillait Daniel. Daniel, lui, ne pouvait pas prier un autre Dieu. Est-ce que Daniel était coupable aux yeux de Dieu? Non. C'était sa coutume de prier le Dieu véritable, de ne pas adorer les idoles. Donc Daniel a préféré obéir à Dieu, mais et de désobéir aux hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été trouvé coupable. Dans les choses de l'homme, je dis dans les choses de l'homme, il a été trouvé coupable. Parce qu'il y avait un décret qui interdisait quiconque de prier un autre Dieu que le Dieu de Babylone. Et s'il trouvait quelqu'un en train de le faire, il serait jeté à l'instant même, c'est-à-dire dans la fosse aux lions. Et vous savez que les lions, là, c'était des lions, ils ne donnaient pas à manger. Ils étaient maigres et tout affamés. Mais Daniel était un innocent, c'était un oint de Dieu. Dieu a fermé la gueule du lion. Que, hein, le lion n'a pas pu dévorer cet ado Daniel.
parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Sabidou, c'est là que la Bible nous démontre que c'est Dieu seul qui décide. De la même façon, pour Sadjak Netchak, ils étaient irréprochables aux yeux de Dieu, hein? Mais coupables aux yeux du roi Nabucodonosor, parce qu'il avait donné l'ordre de se prosterner, d'adorer son statue d'or qui était mis au même rang que Dieu. Mais quand Sadjak Netchak et Abednego ont refusé d'obéir, il a repris la parole et dit, quiconque ne se prosternera pas sera jeté à l'instant même dans la fournaise. Ils ont résisté, ils se sont pas prosternés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné la gourgade, on les a jetés dans la fournaise ardente, n'est-ce pas? Donc c'est là que je dis aux gens, quand vous voulez plaire à Dieu, quand vous voulez marcher avec Dieu, expliquez-moi, comment vous faites pour obéir aux lois des hommes? Parce que depuis, ça fait longtemps, je dis les gens qui me font croire que oui, ils sont plus proches que de la religion, que ceci, que cela. Je vais plus proche de Dieu, je ne veux pas dire que tu es avec Dieu. Hein. Vous savez que sur la planète entière, à l'époque, il y avait un seul peuple qui était élu. Son nom était le peuple hébreu. Le premier qui a été élu, ce sont les Hébreux. Mais mes frères, les Hébreux étaient encore plus proches de Dieu que nous. Ils étaient vraiment, vraiment près de Dieu. Ils avaient donc, parce qu'eux, ils voyaient, ils entendaient la voix de Dieu, ils voyaient la face de Dieu. Ils ne voyaient pas Dieu de face, mais ils voyaient. Quand je dis la face de Dieu, ils voyaient des miracles, les miracles que Dieu faisait. Ils voyaient les choses que la manne tombait du ciel. Ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu les plaies, ils ont vu, ils étaient plus proches que nous, mes frères. Mais ça ne veut pas dire être, parce que souvent les gens croient que être proche de Dieu veut dire qu'on ne pêche pas. Mes frères, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Parce que si vous prenez les Juifs, ils étaient encore plus proches, parce qu'eux, ils étaient pas hébreux, ils étaient circoncis. Qui veut dire qu'ils avaient une parole sacrée, ils avaient une onction ça en eux. Mes frères qui contenaient la vie et la mort, mes frères une bénédiction, une malédiction, ils étaient encore plus proches puisqu'ils avaient ils avaient une tête contenue dans cette parole, une bénédiction, une malédiction. Ils étaient encore plus proches que nous, mes frères. Et c'est là que j'ouvre les yeux des gens. Il y en a qui me disent, oui, je suis plus proche de Dieu. Mais tu peux être plus proche de Dieu que moi. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus bon que moi. Ça ne veut pas dire que tu es plus bon que moi. Ça ne veut pas dire que ton cœur est plus généreux que moi. Ça ne veut pas dire que tu as un plus beau fond que moi. Bien sûr qu'il y a des gens, je ne vais pas mentir, il y a des gens qui sont plus proches que Dieu que moi. Mais peut-être qu'ils n'ont pas la même foi que moi. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes espérances que moi. Peut-être qu'ils sont pas, ils sont pas aussi patients que moi. Peut-être qu'ils ne sont pas non plus aussi zélés. Peut-être aussi des choses que ça, eux, ils ne vont pas accepter, mais ils sont plus proches, je ne veux rien dire. C'est donc que dans la vraie vie, vous avez des amis. Les gens peuvent être très proches. Il y en a qui sont très proches, et puis ça peut être un loup. Ça peut être une traîtresse, ça peut être un ennemi qui est là. Donc, être proche de quelqu'un ne veut pas dire que c'est une bonne personne. Parce qu'on voit que Satan il était tout près de Dieu, qui discutait avec Dieu, il parlait avec Dieu, mes frères, n'est-ce pas? Mais qui a trahi Dieu? Et celui qui était à côté de lui, c'est celui qui chantait pour Dieu, n'est-ce pas? Celui que Dieu aimait, c'est lui qui a trahi Dieu. Donc, pour moi, qu'on me dit plus proche de Dieu, ça ne fait rien dire. Tu peux être proche de Dieu, puis tu es un antichrist. Tu es un serviteur de Satan. Peux être auprès de Dieu, puis tu fais des sacrifices. Tu es plus proche de Dieu. Oui. Parce que ça, tout plus proche de Dieu, veut dire que tu peux être à côté de Satan, tu es à côté de Dieu. Satan discutait. Satan avait une communion avec Dieu, il communiquait, il échangeait avec Dieu, il voyait ce que Dieu faisait, certaines choses que Dieu faisait.
Mais ça ne veut pas dire que le diable aimait Dieu. Ça veut dire être proche de Dieu ne veut pas dire que ton amour est plus fort que mon amour pour Dieu. Ta fidélité n'est pas plus grande que ma fidélité forcément pour Dieu. Ça ne veut rien dire. C'est juste un choix que tu as fait. Comme il y a des gens qui sont hypocrites, donc ils s'approchent le plus près des gens pour juste obtenir des faveurs, obtenir des faveurs, des bénédictions, des trucs comme ça. Mais la personne n'a rien à faire de vous. La personne est tout le temps là, il vous appelle bonjour, il discute avec vous pour savoir vos affaires. Mais quelqu'un, les gens, souvent les adventistes aiment dire, ils sont plus proches. Vous êtes plus proche de Dieu, oui, mais vous êtes encore plus proche du néant. Parce que vous vivez dans la fornication, vous faites des enfants dehors du mariage et vous dites que vous êtes plus proche de Dieu. Alors que vous faites tout ce que la religion catholique fait, vous le faites. Vous comprenez? Donc comment vous pouvez être plus proche de Dieu? Vous dites que vous êtes plus proche de Dieu parce que vous respectez le sabbat. C'est pour ça, simplement, c'est le sabbat. Mais en dehors du sabbat, si on vous enlève le sabbat, hein, la seule chose qui vous rend plus proche de Dieu, c'est parce que vous respectez le sabbat. Vous respectez le jour, le septième jour. Donc, le septième jour seulement qui vous rend plus proche de Dieu. Mais en dehors du septième jour, quelle relation vous avez avec Dieu la semaine? Quelle relation vous avez avec Dieu? Dans quelle relation vous êtes dans la débauche, accouché avec un homme, plusieurs hommes, et puis vous êtes plus proche. Vous êtes plus proche de rien du tout. Vous êtes plus proche dans le septième jour. Mais en dehors du septième jour, vous n'êtes rien. En dehors du septième jour, vous n'avez aucune relation avec Dieu, vous n'avez aucun respect. Vous vivez votre vie comme vous l'entendez, mes frères. Donc, je veux ouvrir mes yeux, mes frères. Quand quelqu'un vous dit, vous êtes là, dis-moi, non, oui, vous êtes plus près de bon Dieu, mais en même temps, plus près du néant. Parce qu'être plus près du bon Dieu ne veut pas dire que tu aimes Dieu plus que moi. Ça ne veut rien dire, hein. Tu peux te mettre auprès de Dieu pour obtenir la protection, la richesse, parce qu'il y a des gens qui se mettent très près de Dieu. Ils vont à l'église, ils cherchent Dieu, mais pour l'argent. Il y en a qui cherchent Dieu pour l'argent, pour les biens matériels, ou parce qu'ils sont malades. Je sais, il y a des gens qui, parce que s'ils n'étaient pas malades, ils ne se seraient pas approchés de Dieu. Je dis que les gens peuvent s'approcher de Dieu pour diverses raisons, la maladie, ou peut-être que la mort arrive. Donc, il y en a qui s'approchent en péchant, en pensant comme et puis, il y en a, par exemple, ils ont des problèmes, ils vont s'approcher, donc ils peuvent devenir très proches de Dieu en espérant obtenir des bénédictions, des faveurs. Mais ça ne veut rien dire, ça, mes frères. Ils peuvent s'approcher de Dieu aussi pour être bien vus, tromper les autres. Mes frères, regardez ce que la Bible dit. Mes frères, vous avez compris quoi? Et ses choix sont, sont déroutants. Déroutants, c'est à dire pour Samuel. C'est à dire, vous devez comprendre qu'aucun, c'est à dire de ses sept fils de Jessé, c'est à dire, n'est, c'est à dire qualifié. Vous savez, qualifié, c'est à dire comme étant, c'est à dire le bon, c'est à dire candidat. Et la question, ce serait pourquoi ils ne se sont pas des bons candidats? Parce qu'ils n'avaient pas un cœur comme Job. Ils n'avaient pas un cœur comme David. Ils n'étaient pas, c'est-à-dire, irréprochables. Ils n'étaient pas droits. Ils n'avaient pas la vertu. Ils ne cherchaient pas à plaire à Dieu. Vous comprenez? Donc, ce n'étaient pas les bons candidats. Et pareillement pour des femmes, mais des fois, ils vont vers toutes sortes d'hommes. Parce que ces hommes s'approchent d'elles, va s'approcher d'elles, va faire quoi, tout ça. Mais c'est d'où que les femmes vont regarder ce que peut-être cet homme a. L'homme va regarder comment la femme est bien foutue. Vous voyez, c'est ça. Ça veut dire l'apparence, toute cette apparence souvent qu'on regarde et qui est artificielle. Et puis après le mariage, on commence à pleurer. Oui, si je savais, ce n'est pas seulement celle des consommés. Parce que vous marchez par l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas ton physique. Il ne regarde pas ton diplôme. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Il ne regarde pas ce que tu as. Mais il regarde qui est dans ton cœur, mes frères. Donc, c'est pour cela que ces gens ne sont pas les bons candidats. Et vous devez comprendre, pas même cet ado l'aîné, même l'aîné, pas même l'aîné, pourtant grand et beau.
Vous comprenez? Même si vous êtes beau, vous comprenez? Pourtant, l'aîné, il était grand et beau. Il était musclé, il était baraqué. Mes frères, et de là, nous voyons que ni aucun citadou des six frères citadou suivant. Et pourtant, tout cela, mes frères, ils étaient plus grands que David, ils étaient plus forts que David physiquement. Mes frères, ils étaient plus beaux que David. Mais pourquoi Dieu? La question, ce serait pourquoi Dieu ne les a pas choisis? Alors qu'ils étaient. Le premier, là, c'est Apollon. Lui, il était grand, vraiment beau. On nous dit qu'il était comme un dieu, lui. Il était comme. Comment on appelle ça? Les gens, les gréco-romains, tu vois, les sortes des Grecs, là, lui. Et pourtant, Dieu dit non, je veux pas de lui. Les autres, ils étaient pas mal non plus. Hein? Et Dieu les a tous refusés. Et de là, nous voyons que ce récit, mes frères, ce récit. Des gens qui me font perdre mon temps là. Plus qui parle pas, qui fait rien. Alors mes frères, je continue. Pour finir avec ça, mes frères, vous devez comprendre que ce récit, c'est très profond. C'est à nous de notre propre, c'est à nous critère. Celui, c'est à nous de l'ancienneté, c'est à nous l'emporte, c'est à nous souvent. L'emporte souvent. Qui veut dire la place est à celui, c'est à nous qui l'occupe. C'est à nous en premier. Comme c'est le cas, c'est à nous pour une place, c'est à nous de parking. Nous avons, c'est à nous d'autres critères, c'est à nous encore. Le plus fort, vous comprenez? Le plus fort et le plus grand. Le plus beau. Le plus beau. Le plus jatique. Le plus, c'est à nous diplômé. Parce que c'est ça, aujourd'hui, c'est ça. Quand tu veux faire ce qu'on est diplôme. Les gens te disent qu'on est comme si diplôme, c'est comme si un bout de papier, c'est né en valet. Un homme qui a décidé de créer ça, c'est aussi ça, né en valet. Mes frères, je vais dire que mes frères, même l'argent, c'est un homme qui a créé ça.
C'est un homme qui a donné la valeur à un bout de papier. C'est un morceau fait au point et puis au grand l'argent. Ça n'avait aucune valeur. C'est les gens qui ont estimé que, bon, ça c'est 5 euros, ça c'est 10, et ils auraient pu mettre ça à 0 centime euro, au moins. Mais donc, c'est la valeur, ce sont les hommes qui ont décidé la valeur qu'ils voulaient donner à ces choses, mes frères. Mais c'est le bout de papier qu'il a. C'est un bout de papier, c'est un maillot point. Un diplôme, c'est quoi? C'est un bout de carton, c'est un bout de papier, mes frères. Là, je me dis que, mes frères, faut pas confondre un bout de papier. Et comme souvent, je dis les gens, même si j'ai raison, ils vont jamais admettre que j'ai raison. Mais je suis sûr qu'ils savent que ce que je dis, c'est vrai. Quand je leur dis qu'on ne peut pas résumer la valeur d'un homme, un bout de papier, un diplôme, c'est un diplôme qui est ta connaissance. Le diplôme, ce n'est pas ton savoir, ce n'est pas ta connaissance. Un diplôme, comme je leur dis, c'est un examen que tu. C'est comme pour ton père, le permis de conduire. Le permis de conduire, ce n'est pas ce qui fait de toi un bon conducteur. Tu peux être un bon conducteur et puis tu n'as pas de permis de conduire. Tu vois? Donc, on parle de conducteur, on ne parle pas de permis. Parce que le permis, c'est juste une autorisation. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est quelque chose qui t'autorise, mes frères, de rouler, d'acheter une voiture et de rouler légalement. C'est tout. Et les gens, j'avais dit que les gens se font arnaquer, c'est-à-dire dans ce monde. Ils se font arnaquer par le système. Et quand ils ont le permis, on croyait que le permis, c'est leur. Le permis, c'est pas ton bon Dieu. Le permis, c'est juste une autorisation. C'est comme ta carte d'identité. Ta carte d'identité, c'est pas ta carte d'identité qui fait de toi français. Mais tu as une carte d'identité qui est français. Parce que quand tu veux aller passer la douane, tu veux voyager, c'est ta carte d'identité que tu vas donner. Ils vont pas, c'est pas sous ta couleur de peau, hein. Je ne sais plus comme avant, ce n'est pas la couleur de peau, je ne sais quoi, ils vont chercher. Donc, comme c'est administratif, il faut comprendre. Le plus souvent, les gens ne comprennent pas que le diplôme, permis, passeport, tout ça, mes frères, c'est des choses qui ont une valeur administrative. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je fais plus l'école que moi, mais il y a dans certains domaines que vous êtes un. Plus vous êtes un peu derrière passé, mais oui, si c'est l'écrit, oui, et pas l'anglais, tout le monde, c'est sûr que vous allez m'égaler. Mais là, ces choses-là n'ont simplement qu'une valeur administrative, c'est vidéo administratif. Vraiment, dans le monde administratif, vous allez quelque part dans un bureau. Vous allez en ministère, en bagaille, une administration, oui, ça a une valeur parce que ça a été régi comme ça, si tu as tel ou tel. Mais, en dehors de ça, ton bout de papier, ça n'a pas de valeur. Quand tu es chez toi, ça, là, ça n'a pas de valeur. Si tu ne travailles pas, ça n'a pas de valeur. Regardez le nombre de gens qui ont des diplômes dans un placard, ça te donne, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Donc, ton diplôme, je vais dire, seul ne suffit pas. Tu peux obtenir ton diplôme et puis finir ta vie sans jamais travailler dans ta vie. Donc, ça nous démontre toujours, encore une fois, c'est pas le diplôme qui est le plus important parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et puis ils ont tout. Ou encore une fois, c'est pas le diplôme qui est le plus important parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et puis ils ont tout. Ils ont maison, ils ont voiture, plusieurs machins. Vous comprenez? Donc, comme je dis les gens, ce que vous avez là, c'est juste des choses qui ont une valeur administrative. Renseignez-vous, juste sur le plan administratif. Quevedo, c'est ce qui vous donne le droit, vous autorise, hein, de faire ou ces machins. C'est juste ça, sur ce plan-là. C'est le fait que vous ayez ça et que dans le système, on nous dit si tu as ça t'autorise à enseigner, à faire ceci, à faire ça. C'est juste l'autorisation que ça te donne. Mais quand ça te donne, parce que ça te donne l'autorisation, même si tu ouvres ta salle, imagine tu as ton diplôme. Tu as ton diplôme. Tu as ouvert ta salle. Mais imagine que tu n'as aucune connaissance, parce que diplôme n'est pas synonyme de connaissance, hein, de sagesse, hein, de savoir. De savoir. Donc, tu peux avoir ton diplôme, ta salle.
et puis les gens y viennent. Et quand les gens viennent dans ta salle, ils se rendent compte que tu n'as aucune expérience. Ils se disent, mais comment vous gagnez combien de diplômes, combien machin affiché dans sous un mur. Et puis ils se rendent compte que le gars n'a pas les compétences qui est affiché. Mes frères. Et combien de gens, mes frères, dans ce monde qui ont des diplômes, soi-disant bon diplôme, machin, et quand tu arrives, tu te rends compte que ces gens n'ont aucune compétence, aucune expérience, ils ne savent rien. Vous comprenez? Parce qu'un diplôme, c'est un concours. Un diplôme, c'est comme un concours. Hein. Tu vas pour être gendarme, policier, tu passes un concours. Mais après, quand tu obtiens, si tu obtiens ton machin, c'est pas ça qui fait de toi un policier. C'est pas le fait que tu aies ton diplôme qui fait pas de toi un policier. J'ai dit qu'après, il faut faire un apprentissage. J'ai dit le diplôme vous donne, il faut faire un apprentissage. J'ai dit le diplôme vous donne juste le droit administratif. Pas. On ne le vous dit pas, moi je vous le dis. Le diplôme permis, ça vous donne le droit administratif. Il est sous le plan administratif, légalement, d'exercer quelque chose, de rouler, de faire ceci. Mais comme je vous dis, après, pour avoir la sagesse, l'expérience, la connaissance, il faut faire l'apprentissage. Et oui, en dehors du diplôme, il faut aller faire des formations, il faut. C'est ça, hein? Il faut obligé, si tu veux grandir, tu veux avoir une connaissance, tu es obligé d'aller faire des formations. Parce que là, tu as ton diplôme, mais tu n'as pas encore la connaissance. Il y a des gens qui obtiennent leur diplôme, ils n'ont pas de connaissance. Mais le problème, ils vont ouvrir leur salle à partir de simplement ce qu'ils ont appris, les deux petits trucs qu'ils ont appris, et puis à partir des petits trucs et machin. Mes frères, alors qu'eux, ils ne vont pas chercher, ils doivent grandir, ils ne vont pas chercher à évoluer. Avoir plus loin, ils ne vont pas aller faire de formation, d'apprentissage. Mais je regarde souvent Internet. Il y a plein de professeurs, ils ont leur école et puis ils vont faire des formations. Ils vont faire des stages, des séminaires dans martiaux parce qu'ils ont besoin de connaissances. Eux, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la connaissance. Ou bien ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas suffisamment de connaissances. Eux, ils ne vont pas se rester là pendant 20 ans, 50 ans, à faire les mêmes choses. Vous voyez, donc il y en a qui vont apprendre des nouvelles choses, ils vont aller dans d'autres machins, ils paient des cours pour, parfois pendant, il y a un, il était parti pendant 3 semaines, il disait, il est parti faire un stage, c'est à Doul, et comme il pratique le Krav Maga, il est parti 3 semaines, il a fait une formation de Krav Maga, alors qu'il pratique déjà le Krav Maga, mais il y a plusieurs il y a des maîtres aussi. Donc, lui, il est allé vers les gens qui sont là plus longtemps que lui. Et puis, il est allé, il fait, parce que lui, il fait des formations. Chaque année, il fait des formations. Il reste pas, il est diplômé. Mais il se dit pas, oui, je suis diplômé, puis j'ai mon diplôme. Il sait que le diplôme, c'est administratif. Le diplôme ne t'apprend pas les deux techniques. Hein. Vous savez, quand vous avez un diplôme, c'est parce que le diplôme ne t'enseigne rien. Quand si tu accroches ton diplôme devant tes yeux, devant toi, là, tu te prosternes devant en espérant que ton diplôme va t'enseigner. Ton diplôme ne t'enseigne rien. Le diplôme, c'est juste administratif. C'est sous le plan administratif que c'est légal, tu es en règle, c'est tout. Mais après, quand il s'agit, ce que je fais comprendre les gens, quand il s'agit, c'est à nous d'enseignement. Ça n'a rien à voir avec diplôme. Quand il s'agit de connaissance, tu peux avoir de diplôme. Vous comprenez? Tu peux avoir la connaissance sans avoir de diplôme. Tu vois, tu peux être compétent sans avoir de diplôme parce que tu as été, par exemple, auprès d'un maître. Imaginons que tu avais un maître. Il t'a enseigné, t'a transmis des valeurs. Donc, tu peux être compétent parce que tu avais un maître qui t'a transmis quelque chose, des valeurs, des choses concrètes. Qu'à ton tour, que toi, tu peux transmettre, même si tu n'as pas de diplôme, mais tu as les compétences, tu vois. Tu as les compétences. Alors que la personne, par exemple, qui a le diplôme, et puis qui n'a jamais été auprès d'un maître, qui n'a jamais fait de formation, qui n'a jamais rien expérimenté, qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Qu'est-ce qu'il va t'apprendre, mon frère? Du pipeau, du vent. Du vent. Tu vas perdre ton temps, parce que souvent, je vois des gens qui me disent, ça fait 2 ans, je suis dans 3 ans, regarde, 3 ans, tu es comme ça. Mais non. Mais 2 ou 3 ans, tu vas là, tu perds de l'argent comme ça tous les mois.
Ménager des. Si, mais si la personne avait marché, tu n'allais pas rester là 3 ans où tu perds rien, au lieu de perdre. Bon, après, bah, je ne suis pas chez la personne pour savoir ce qu'elle mange. Mais après, quand même, s'il y a, quand même, si le coach il t'enseigne bien, tu finis par prendre des bonnes habitudes. Si c'est un bon coach, de toutes les façons, un moment, tu vas écouter. Si la personne, je veux dire, ce n'est pas des paroles, hein. C'est la façon que l'autre, il te montre les choses. Et quand tu commences à apprendre les choses, de toi-même, tu es capable de prendre conscience que si tu n'arrêtes pas ça, tu ne vas pas perdre. Mais si c'est que des paroles, parce que quand tu as l'expérience, je vais dire, tu n'as pas besoin de parler, dire aux gens. Les gens se rendent compte, parce qu'ils voient, quand ils font la chose, ils voient un travail sur eux-mêmes. Ils voient. Il est capable de dire oui, quand le maître me dit de faire ça, quand je fais pas ça, j'ai vu que j'étais comme ça, maintenant j'ai commencé, j'ai vu, je vois. Donc la personne est capable de raisonner, d'auto-raisonner. Et mes frères, donc moi c'est ce que je tenais à dire, tous les gens avec leur diplôme qui comprennent pas, c'est juste un truc administratif. Et que les diplômes là ne vont rien les enseigner, s'ils ne vont pas faire des stages. Parce que moi je fais des trucs, hein. Vous savez, moi, si on me voit atteindre certains niveaux, parce que moi, je suis aussi des machins, donc moi, je ne reste pas toujours dans les mêmes choses. Au fil des années, j'ai suivi plein de choses. Donc, c'est pour ça, maintenant, je peux faire un peu de tout, la boxe anglaise, la boxe thaï, plein d'autres machins, du jiu-jitsu, le kung-fu, du tai chi, de karaté, taekwondo ou autre, capoeira. Je peux faire un peu de tout parce que j'ai pas de diplôme comme disent les gens, mais je ne suis pas figé, moi. Moi, j'ai appris des choses concrètes. Moi, j'ai appris dans des livres, j'ai lu des livres, j'avais des livres, hein, avec des illustrations, des dessins. On t'explique, on te montre. Donc, moi, je me suis formé pendant toutes ces années. Vous comprenez? Donc, je me suis formé, hein, parce que. Tout ça, c'est des maîtres. C'est des maîtres. Hein. Quand tu as des livres, par exemple, tout ça, c'est des maîtres. Ce sont des maîtres qui vont écrire des livres par rapport à leur expérience. Ils vont te montrer des techniques d'autodéfense, tout ça. Donc, c'est des choses qu'on apprend avec des maîtres à travers des livres. Si vous regardez sur Internet, il y a des maîtres aussi. Vous pouvez apprendre à travers des vidéos aussi auprès des maîtres. On peut apprendre, je vais dire, aussi auprès des maîtres. On peut apprendre, je veux dire aujourd'hui, on peut apprendre auprès des maîtres partout, à travers WhatsApp, la personne à WhatsApp, il peut t'enseigner. Regardez que je vous enseigne. Regardez, je vous enseigne à partir de TikTok. Si vous suivez, vous pouvez devenir très fort, très forte. Donc, je veux dire aujourd'hui, on peut enseigner à travers les visios, ces vidéos avec visio, à travers WhatsApp, TikTok. WhatsApp, TikTok, tout ce qui est Facebook, tout machin, les réseaux sociaux, on peut enseigner les gens. Mais on peut transmettre des savoirs aux gens. Mais frère, alors, c'est pour ça que je dis les gens, ne venez pas avec vos trucs administratifs, parce qu'on aura un client qui a de carrière avec un truc administratif, c'est tout. C'est au niveau administratif, hein, c'est ce qui va te dire tes droits. Mais nous, si tu as tel diplôme, bah, voilà, ça va définir ton salaire, le salaire que tu vas toucher, ça c'est administratif. Tu vois, c'est ton diplôme en fonction de ton diplôme. Mais c'est administratif, mais en dehors de ça, ça ne va rien faire pour toi. Ce n'est pas le diplôme qui va travailler pour toi. Ce n'est pas le diplôme qui va réfléchir pour toi. Ce n'est pas le diplôme qui va prendre les décisions pour toi. Tu vois, ce n'est pas les diplômes non plus qui va voir pour toi. Le diplôme ne fait rien d'autre pour toi à part qu'administratif. En dehors de l'administratif, le diplôme ne te sert à rien. Te sert à rien. Tout le reste, après, une fois on t'a embauché, tu dois tout faire par toi-même. Ce n'est pas par ton diplôme que tu vas faire. Ce n'est pas tu vas prendre au nom de mon diplôme, comme on dit au nom de Jésus. Hein. Ce n'est pas au nom de mon diplôme que et puis les choses vont se faire. Hein. Donc, à ce moment-là, il faut utiliser ton cerveau, il faut utiliser tes pensées, tes sens, il faut utiliser tes mains, il faut que tu bouges, il faut que tu lèves, tu te déplaces, il faut agir. Et puis, il faut avoir
le savoir, et le savoir n'est pas contenu dans ton diplôme. Le savoir, c'est là, c'est dans ton cerveau. Hein? Dans son cerveau que le savoir est là. Le bon sens, c'est pas dans ton diplôme, c'est dans ta tête. Les gens comprennent pas. Le monde là, comme on dit en logique apparence imbécilia, un diplôme n'a pas de cerveau. Quand tu viens avec ton bout de papier inutile devant moi là, c'est le monde qui te fait croire que tu ou c'est un monde passé, moi, tu n'es rien. Vous comprenez, peut-être je suis plus que toi, parce que moi, j'ai la connaissance là. Mais toi, tu viens avec ton bout de papier pour me montrer, mais ton bout de papier ne vaut rien devant Dieu. Ton bout de papier là, quelle connaissance? Est-ce que si tu mets ça devant moi, ton bout de papier là peut me parler? Ton bout de papier va me parler pour dire oui, j'ai monsieur un tel, son nom, il a obtenu son diplôme telle année, telle machin, c'est tout. À telle université, tel bagaille, tel état, tel si, c'est tout. En dehors de ça, tel si, c'est tout. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Excuse-moi. Ton diplôme va faire quoi pour moi là? Si tu le mets là, il va rester cani là. Moi, je vais rester cani là. Ton diplôme n'a pas de pied, il n'a ni tête, il n'a ni cerveau. Il n'a pas de cerveau, hein, il n'a pas d'yeux, il n'a pas d'oreilles, il n'entend pas, il mange pas, il fait rien. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. On est dans un monde, mes frères, on attache de la valeur à des choses qui n'ont aucune valeur. Ouais, alors que la valeur, mes frères, se trouve là. La valeur, la Bible nous dit, c'est notre intelligence, frère, notre intellect, notre sagesse, la connaissance que nous possédons, mes frères, est une richesse. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que la richesse, c'est un bout de papier. Aujourd'hui, le monde nous met, oui, un truc administratif, voilà ta richesse. Et beaucoup de gens se glorifient avec leur diplôme, ça c'est une richesse. Quelle richesse? Tu viens, tu te retrouves au chômage, encore qui ça aurait fait? Viens te retrouver au chômage, on va voir qu'est-ce que ton diplôme va faire pour toi. Bonjour, ça va? Ouais, toi. Moi, ça va, je suis là tranquille, tranquille, il fait chaud, mais tranquille, tranquille, le chat. À part, il fait un peu chaud. Attends, Et toi? est-ce que t'as beaucoup d'abonnés? Ouais, j'ai beaucoup d'abonnés, bien sûr. T'as pas vu? Pourquoi? Si. Tu peux m'en donner un peu? Comment je fais ça? Il faut. Je salue Sandra. Je disais, mes frères, je ne vais pas rester 2 semaines. Sandra, je me suis abonné à toi, abonne-toi à moi. Donc, ce que moi j'essaie de vous dire, on nous a appris, comme je parle avec Magico. C'est à dos, son nom c'est Mystérieuse maintenant. On parlait de ça depuis un moment, même que ce soit la religion, que ce soit tout ce qui est administratif. Et donc les gens ne comprennent pas tout ce qui est permis, diplôme, passeport, tous ces conneries, la certificat, machin, tout ça, c'est des choses administratives. C'est simplement au niveau mystérieux, comme mesdames, mystériel, ministériel. C'est juste au niveau mystérieux. Ça, c'est juste le niveau ministériel, qui veut dire ministériel, qui veut dire administratif. C'est ces bouts de papier-là, ministériel, qui veut dire administratif. Ces bouts de papier-là, c'est juste, ça arrive simplement. Vous comprenez, ça arrive au niveau ministériel, qui veut dire tout ce qui est administratif, comme on voit l'ambassade de France, si tu es en Afrique ou dans un pays machin, tu vois, c'est le niveau ministériel qui veut dire que c'est eux qui s'occupent de ça. Ministre, l'ambassade, c'est un ministre. Bon. Donc, c'est là que les gens ne comprennent pas que ça, c'est juste un truc administratif au niveau ministériel. Ces bouts de papier-là, ça arrive là parce que c'est eux qui s'occupent de toutes ces choses-là, mes frères. Et puis en dehors de ça, ton papier n'a aucune valeur. Védou ministériel, védou tout ce qui est administratif, toutes les démarches que tu dois faire, tous les recours, tout, c'est tout. Mais en dehors de ça, ça n'a aucune valeur.
Oui, quand tu vas dans un truc administratif, ça a de la valeur. En dehors d'autres trucs administratifs, ça n'a aucune valeur. Comprends? Mes frères, prenons quelqu'un, parce que si tu as un diplôme, si tu l'utilises en dehors des trucs administratifs, ça n'a aucune valeur. Hein? Ça n'a pas de valeur. Ça va ni pièce valait. Ça perd de sa valeur. Vous comprenez? Pour que ça puisse avoir une valeur, il faut l'utiliser au niveau ministériel, administratif. C'est là que ça te dit, oui, comme tu as des diplômes, il y a des lois qui t'ont dit, en fonction des diplômes que tu as, mais en dehors des trucs administratifs, ton diplôme, c'est de la merde. Ton diplôme, c'est la merde. Ça ne te sert à rien. Mes frères, donc ceux qui veulent continuer, parce que quand j'enseigne, il y en a qui me disent, est-ce que tu as des ou diplômé? Comme si, je ne sais pas, je dis, est-ce que diplômé, c'est un soif? Mais je connais des gens sont que je fais. Je connais des gens qui sont diplômés, ils ne savent pas faire le quart de ce que je fais. Je connais des gens qui sont diplômés, aujourd'hui ne savent plus pratiquer. Pourquoi? Manque de connaissances, ils ont bousillé leur corps. Mais ça, hein? Combien de personnes qui étaient diplômées, ils ont bousillé leur corps, ils sont là, ils ne peuvent plus même faire encore. Hein? Diplômé, pas savoir. Diplômé, c'est pas savoir. Parce qu'on dit, si le monde nous passe les yeux pour comprendre que le diplôme, c'est administratif, c'est ce qui te donne le droit d'ouvrir ou de rouler une voiture ou d'acheter une voiture. Mais. Et aussi au niveau de ton salaire, d'être bien payé. Mais en dehors de ça, je vais dire après, si tu fais les arts martiaux, si tu enseignes un professeur, mais si tu ne comprends pas que en dehors de ton diplôme, si tu veux acquérir une certaine si tu veux acquérir une certaine connaissance, une certaine sagesse, il faut aller faire des formations. Il faut aller faire une formation, peut-être sous 2 ou 3 ans, te former. Il faut aller faire des formations chaque année, 3 semaines, pour aller à pouf. Parce que c'est comme ça on apprend. C'est quand tu vas faire des formations, bien, soit tu invites des professeurs dans ton école qui va venir échanger. Hein, parce que c'est, on peut faire aussi comme ça. On va échanger, comme les élèves, emmener un professeur avec des élèves. Et comme ça, c'est comme ça on va acquérir en échangeant avec d'autres professeurs, d'autres clubs. Il y a différentes façons. Mais, ou bien en faisant cet ado chaque pendant, si tu as une salle, tu peux faire venir des professeurs qui vont faire cet ado des stages pendant 1 semaine, 2 semaines. Des stages pendant 1 semaine, 2 semaines. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est sûrement pas en restant là avec ton diplôme et pour on t'a appris un truc et pour être à ce niveau-là toute ta vie, tu meurs dans ça. Mes frères, bon, je continue là où j'étais. Mes frères, là, on avait vu, mes frères, que je ne sais plus. Hein, on nous dit que le plus machin est le plus diplômé, le plus riche. C'est comme ça dans le monde. Le plus diplômé, le plus riche, le plus cultivé. Le monde, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. Le plus savant. Et les critères, c'est à d'où changent selon c'est à d'où les milieux. Selon les milieux, mes frères, les critères changent. Mais le principe, c'est à d'où demeure le même. Hein? Même si les principes changent, mais même si les critères changent, mais les principes restent toujours le même. Et la vie, c'est à la est une lente et laborieuse, c'est-à-dire progression, c'est-à-dire vers l'échelle, c'est-à-dire sociale, vers la plus haute, c'est-à-dire légitimité, quitte à être c'est-à-dire piégé. Oui, beaucoup de gens sont piégés, ou à se piéger, c'est-à-dire soi-même. C'est-à-dire dans une source, c'est-à-dire à toujours plus toujours à plus de reconnaissance. Vous savez, mes frères, il dit un truc important. Le monde va toujours chercher plus d'estime pour booster son ego, au lieu que le monde cherche cet ado plus de connaissances.
La reconnaissance, c'est pas la reconnaissance, c'est pas la connaissance. La reconnaissance, c'est l'estime de soi, d'être accepté, d'être approuvé, que les gens aiment ce que vous faites. C'est ça. Donc, notre véritable problème aujourd'hui, c'est que chacun veut être estimé, reconnu à sa juste valeur ou pas. Mais personne ne cherche la connaissance. C'est ça le problème de ce monde. Tout le monde veut être connu, tout le monde veut être populaire, tout le monde veut être célèbre, être star, reconnu. Hein? Mais personne ne cherche la connaissance. Personne ne cherche la sagesse. Personne ne cherche à avoir une vertu. Non. Vous voyez? Les gens ils vont dans tous les eaux pour se faire connaître. Mais pas pour connaître, hein, mais pour se faire connaître. Hein? C'est ça. Beaucoup veulent se faire connaître, veulent se faire remarquer. Il y a une différence, hein, se faire connaître, hein, et reconnaître. Hein, et connaître. Tu connais. Est-ce que tu connais la sagesse de Dieu? Non, ils ne cherchent pas à connaître. Mais les gens veulent être reconnus. Hein. Ils veulent la reconnaissance. Ils passent dans la rue, les gens les saluent. Oui, c'est toi le. Hein? Tout le monde cherche ça. Mes frères, or, les choix, c'est à nous de Dieu, sont libres. Les choix de Dieu sont libres, mes frères. Celui qui est cet à nous choisi était trop ceci, ou pas assez cela. N'est-ce pas? Mes frères, tu sais que ce que je lis là, mes frères, la Bible nous enseigne ça. Dans Samuel. Mais ça nous montre que tu cherches une femme. On va trouver qu'elle est pas, elle est pas si ceci. Elle est trop ceci. Elle est pas assez cela. C'est comme ça. Tu cherches un mari, il est trop ceci, pas assez. Oui, ou bien il a ceci, il est pas, il n'est pas, il est pas, il n'a pas. Voilà. Il est beau, mais il n'a pas, il travaille pas, il est beau, il n'a pas l'argent, bien. Il a l'argent, il n'est pas beau, il est. Tu vois, on va toujours trouver, je vais dire que ce verset nous montre que les êtres humains, quelle que soit la chose, ils vont toujours chercher une faille. Ils vont toujours te trouver, c'est à nous, un défaut. Ils vont même t'inventer un défaut. Parce que, pourquoi moi je dis inventer? Parce que c'est parce que eux ils marchent selon leurs critères. Et on a vu que le principe ne change pas. Quel que soit le milieu, que ce soit pauvre, modeste, fonctionnaire, riche, le principe c'est pareil. Même chez les pauvres, hein, le principe c'est pareil. C'est les critères qui changent. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu peux pas. Les critères qui changent. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu peux pas. Hein, si tu es pauvre, les critères changent. Hein? C'est vrai. Parce que si tu prends quelqu'un. Exemple, si tu prends quelqu'un qui est riche, il ne peut pas avoir le critère de quelqu'un qui est pauvre, parce qu'il peut tout obtenir presque tout par son argent, tout est un peu plus facile, donc les critères changent. Le milieu, les fréquentations, c'est ce qu'on parle critères, les gens vont fréquenter, ce n'est pas des petits machins comme toi. Là, il va aller manger, ce n'est pas comme toi, donc il faut sûr, les critères changent. Mais après, le principe ne change pas, quel que soit, parce que regardez Jésus, quand il est venu, il était pauvre. Il suffit d'entendre comment les gens parlaient. Ce n'étaient pas des gens riches non plus qui étaient là. Les pharisiens, les scribes, ça, ce n'est pas des gens à part Anékef. Donc, ça nous montre que les critères ne changeaient pas, que ce soit c'était des scribes, des Saldéens, le principe était toujours pareil. Mais mes frères, regardons. Mais mes frères, regardons ce que. Mes frères, on va toujours, qu'importe ce que vous faites, même si vous refaites les seins, on va toujours vous trouver un défaut. Allez vous refaire le nez, s'il y a plus le défaut du nez, les gens ils vont même inventer toujours. Soit ils vont dire à son comportement, à la façon de s'habiller, à sa coiffure, à ses. Donc, au bout du compte, tu deviens esclave, mes frères. Vous allez devenir esclave. Parce que l'être humain va toujours inventer, c'est pour ça que je dis inventer, même là qu'il n'y a pas de défaut.
Même là, on ne te trouve pas de défaut. Parce que même là, qui n'avait pas de péché pour Jésus, ils ont inventé cet ado des péchés. Ils ont inventé des accusations alors qu'il n'y avait pas d'accusation. Ils ont inventé condamnation alors qu'il n'y avait pas condamnation. Donc, n'oublie pas que les hommes peuvent inventer aussi. Et vous devez comprendre, on va vous dire celui qui est cet ado choisi était trop ceci ou pas assez cela. Donc, on va nous dire trop petit, trop absent, entre parenthèses, il n'est pas là, pas assez âgé. Donc, dans le monde, on trouve ça. Il y a des femmes qui vont trouver, vous n'êtes pas assez âgé. Il y a d'autres femmes qui disent, bon, tu es trop jeune, pas assez, donc tu n'es pas assez âgé. Il y en a qui vont te dire, tu es trop jeune, tu n'es pas, tu vois, ou tu es trop âgé. Et donc, tu vas toujours trouver une critique. Parce que par rapport aux critères, vous avez vu, les critères changent. Les principes ne changent pas, mais les critères changent. Carré dit, oui, je veux un homme plus mûr, l'autre va dire, je veux un homme plus jeune. Tu vois, c'est comme ça. Et pareil pour les hommes, hein, je veux une femme plus jeune, t'as dit, mon enfant plus mûr, je veux une cougar, mes frères, de là, vous devez comprendre que David n'était pas cet ado dans le cadre. Et oui, David n'était pas dans le cadre de Samuel, même de Jésus, son père, ni de ses frères. Hein. Vous savez, il ne répondait pas cet ado aux critères. Vous savez, il n'avait pas cet ado le profil. Parce que souvent, les gens n'ont pas. Parce que quand vous allez sur Internet, les gens regardent votre profil. Mais David n'avait pas le profil. Hein, pourtant, vous savez que j'ai d'où l'apparence. Quand ils vont dans ton profil, yeux bleus, cheveux sissi, métis, ou pas chabin, ou pas sissi. Tu vois, tout ça, ce sont les critères qu'on demande. Hein? Tu dois être grand, tu dois être. Si tu n'es pas grand comme ça, si tu n'es pas musclé, ou pas comme ça, hein? Tu ne rentres pas dans les critères. Hein? Les gens, ils vont dans ton profil pour voir tes critères. Ton critère. David n'avait pas cet ado le profil, au point cet ado qu'il avait été cet ado purement et simplement oublié. Vous comprenez? Souvent on est oublié, mes frères. Souvent vous êtes oublié. Souvent les femmes ne pensent pas à vous. Les femmes n'ont pas d'égard, pas de gratitude parce que vous ne rentrez pas dans leurs critères. Donc quand ils vous voient, ils passent en l'or parce qu'elles regardent à l'apparence. Tu vois, elles s'appuient sur un profil. Et dans ce profil, qui dit profil du critère? Vous voyez? Dès que vous avez un profil, il y a votre critère dedans. Il y a votre âge, votre nom, votre poids, les yeux, tout, hein? Il y a tout ça. Votre mode de vie, il y en a qui mettent yoga fumé, d'autres qui mettent ils fument pas. Tu as ta religion, si tu travailles, tu travailles pas. Donc, c'est. Hein? Donc. Et mes frères, c'est ça. Des femmes, parfois, peuvent nous côtoyer, puis dire, bon, dès qu'ils regardent notre profil, ils disent, ah, monsieur, c'est pas, monsieur, reste pas dans mon critère. Tu vois? Hein, parce que son profil ne correspond pas à ce que je cherche. Alors, savez-vous que la personne a regardé l'apparence, tu vois, l'apparence. La personne n'est pas entrée dans le fond. Il n'a pas essayé de discuter avec toi, de voir ta mentalité. Et peut-être que la personne aurait pu découvrir une autre personne que ce qu'il voit. Mais la personne va s'appuyer sur ce qu'il voit. Tu vois, dès les femmes, souvent les femmes, c'est ça, c'est dès qu'elles voient un truc, elles vont prendre ça pour argent comptant. Oui, il est beau, comme il est. Parce qu'il y a des femmes, j'ai entendu ça en direct, hein, qui disaient, ah, le gars peut pas, ah, le gars peut pas faire ce qu'il est. Tu vois que yeux pour parce que la personne est comme ça. Que il y a une autre qui avait dit, le gars est trop beau, il peut pas être malade, il peut pas si. Parce qu'il y a des gens qui se basent. Hein, mais les gens lui disent, mais non. Mais quelqu'un peut être beau et puis il peut avoir le VIH. Mais elle dit, mais non, quelqu'un comme ça, mais le gars est bien fait, il machin. Qu'est-ce que vous racontez? Le gars veut pas être malade. Quelqu'un comme ça veut pas être malade. Il y a des gens, j'ai dit, que vraiment ils croient quand ils voient un physique, ils te disent, c'est impossible qu'un monde comme ça
peut marcher, mais la personne peut avoir le VIH ou n'importe quelle maladie sexuellement transmissible. Tu peux pas regarder quelqu'un simplement et puis te prendre ta décision en fonction de ce que tu vois. Tu vas dire, pour elle pouvait coucher sans se protéger avec le gars parce que le gars, la façon que le gars est, il peut pas. Tu vois, avec tout qu'il y a des femmes qui prennent leur décision par rapport à ce qu'elles voient. Le voir quelqu'un bien physiquement, il n'y a rien. Il n'y a pas de, il y a rien que la personne est quand tu regardes des clés, machin. Je pense qu'il ne peut pas avoir le VIH, il peut y avoir. Hein? C'est quelqu'un qui est en bonne santé alors que la personne peut être remplie de maladies. Mais frère, l'apparence, combien de personnes qui sont tombées à cause de l'apparence? Combien de femmes qui ont vu des hommes? Hein? Et puis la personne est mariée, il dit, elle ne peut pas être mariée. Tu vois? La personne est mariée, a des enfants. Il y en a des gens qui marchent à l'apparence. Marchez pas par la vue, la Bible dit. La vue va vous couillonner, mes frères. Parce que même Samuel, qui était prophète, il s'est laissé tromper. Lorsqu'il a vu Absalom, par la vue, il a dit, c'est lui. Ça ne fait pas être autre d'autre parce que lui, il est beau, il est grand, il est musclé, il est costaud. Il est beau, il est grand, il est musclé, il est costaud. Et le verset dit pas tout, je connais bien le verset, parce que Samuel, lorsqu'il a vu Absalom, il dit, je ne peux pas, parce que lui, c'est le plus beau de son village, c'est le plus beau de la famille. Il est grand, il est costaud, c'est forcément lui. Il peut pas avoir quelqu'un d'autre, parce que c'est lui qui est le plus visible, c'est lui qui est le plus impressionnant, tu vois? Donc, et pour Samuel, c'était lui, il était convaincu. Dieu dit non, c'est peut-être qu'il a pris un autre, il dit ouais, celui-là est bien aussi. Dieu dit non, jusqu'au septième, Dieu dit non, les pièces là, oui, ils sont physiquement, ils sont beaux, ils sont cosmiques, ils sont, oui, ils attirent, ils peuvent attirer, ils peuvent plaire ils peuvent plaire aux femmes, ils peuvent plaire aux gens, mais ils ne plaisent pas à Dieu. Mes frères, tu peux plaire, mes frères, c'est ce que les hommes et les femmes ne comprennent pas. Beaucoup d'hommes et de femmes peuvent être attirés par toi. Mais, oui, beaucoup d'hommes et de femmes peuvent être attirés par toi, mais tu n'attires pas le regard de Dieu, tu n'attires pas l'approbation de Dieu, tu n'attires même pas la bénédiction de Dieu, même pas un égard. Et c'est là que je dis les gens, il faut pas confondre les choses du monde. Tu peux, je peux. Moi qui suis là, souvent, il y a dit, ah, on va arriver, ni femme, ou pas ni femme. Mais je peux ne pas avoir de femme. Parce que vous estimez que je ne plais pas aux femmes, machin, mais peut-être que j'attire le regard de Dieu aussi. Peut-être que j'attire la grâce de Dieu, la pitié de Dieu, la bénédiction de Dieu. Parce que si je cherche à plaire à Dieu, non à une femme. Mais vous cherchez quoi? Vous cherchez à plaire à un femme, un homme. Dieu, vous vous en fichez. Comme vous vivez comme s'il n'y a pas de Dieu. Donc, déjà, mes frères, il faut regarder là où vous êtes. Et là, comme on nous dit, mes frères, au point qu'il avait cet ado été purement cet ado simplement oublié, mis de côté. Mes frères, ceci nous montre, mes frères, avec humour, que lorsque toutes les solutions cet ado sont épuisées, vous allez vous tourner où? Hein? Lorsque toutes les saules, parce que quand ils ont passé en revue les sept frères, c'était aucun d'eux. Ça veut dire toutes les ressources ont été épuisées. Mais Dieu a bien parlé chez Zézé, il y avait un homme. Où est cet homme? Où était cet homme-là? Parce qu'il a cherché, il n'a pas trouvé cet ado, cet homme que Dieu avait parlé. Pourquoi? Parce qu'il était petit. Le prophète ne pensait pas que l'homme que Dieu parlait pouvait être de petite taille et puis pas fort. Un homme qui n'était pas fort. Dieu va choisir un homme qui est robuste, qui vous garde, qui mixe, qui grossesse, ça vous garde, ça tout le monde paye. Tu vois? Mais la Bible dit Dieu, il cherche les insensés, il cherche les gens qui sont faibles parce que c'est comme ça, il montre sa force. Si tu es déjà fort, tu n'as pas besoin de Dieu. Donc, c'est les insensés que Dieu utilise, il dit, pour confondre la sagesse du monde. Et mes frères, la Bible nous dit que
Il en restait à dos une encore, malgré tout. Malgré tout à laquelle personne cet ado n'a pensé. Oui, souvent ça arrive, hein, personne ne pense à toi. Mais peut-être que tu as la solution. Peut-être que tu es l'énigme. Mais personne ne pense à toi parce que tu n'as pas de diplôme, ou pas ni rien, ou pas si sous, ou pas fait cela, ou pas fait rien. Donc, les gens préfèrent aller ou pas ni sale, ou pas ni. Donc, les autres, ils ont sale, ils ont clim. Tout le monde en a l'air plutôt. Hein? Je ne critique pas, c'est pour comprendre un petit peu. Hein? Qu'il y a cet ado un petit dernier, quelque part, appelé cet ado à devenir roi. Le petit dernier, hein, celui qui était petit, dernier, il était appelé à devenir roi. Il n'était pas aussi beau que l'aîné, que les autres. Et on nous dit que les choix cet ado de Dieu sont déroutants, mes frères. Déroutants. Et c'est là que mes frères, que vous devez comprendre que Jésus n'est pas né à Jérusalem. Il n'est pas cet ado fils, cet ado de grand-père, ni de Jean cet ado puissant. Il ne se réfère à aucune cet ado école de pensée. Est-ce que vous voyez, Jésus ne se réfère à aucune école de pensée reconnue. Cela dit catholique évangéliste, Jésus n'est pas dans ça, mes frères. Jésus n'a pas de grand-père. Déjà, parce que Jésus, c'est le fils de Dieu. Même si on considère Joseph comme son père, Joseph n'est pas son papa. Donc Jésus n'a pas de grand-père, déjà à la base. Parce qu'il est le fils de Dieu. Il n'a pas de grand-mère, il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur, il n'y a rien. Les soeurs qu'on parle de Jésus là, ce n'est pas ses soeurs. Hein. Jésus n'a pas de sœur, parce que Jésus c'est le fils de Dieu. On nous dit, mais dans la Bible c'est fils unique. J'ai dit qu'il n'y a pas eu d'autre, il n'y a pas eu. Est-ce que vous avez vu une sœur qui a pris naissance par le Saint ou un frère? Non, il n'y a pas eu. C'est Jésus est fils unique, donc Jésus n'a pas de sœur. Mais Jésus. Ce n'est pas les sœurs de Jésus, puisque Jésus est fils de Dieu et eux, ils ont un père. Ce n'est pas le papa de Jésus. Jésus n'a jamais eu de sœur et de frère. Mes frères, c'est là que nous devons comprendre que nous devons comprendre que Jésus n'est pas né cet ado à Jérusalem. Il n'est pas fils cet ado de grand-père. Ni de Jean cet ado puissant. Il ne se réfère à aucune école cet ado de pensée reconnue. Il n'a pour autorité que celle cet ado de sa parole. C'est ça que je dis, celle de ça, c'est ce qu'il a laissé l'enseignement, celle de sa parole et de son existence. Vous savez d'où les quatre évangiles. Et quand je dis ça aux gens, les gens évangiles. Et quand je dis ça aux gens, les gens Jésus se réfère à sa parole, puisque quand il reviendra, Jésus dit, il va juger selon ce qu'il a laissé. On crée. Hein? C'est selon les Écritures qu'on va être jugé, n'est-ce pas? Donc, Jésus se réfère à rien que les hommes ont établi, mes frères. Et nous voyons qu'il n'a pour autorité que celle de sa parole et de son existence, c'est-à-dire de son vécu sous terre. Pourtant, l'esprit, cet ado, est sur lui. Il est cet ado oint, cet ado du Seigneur, le roi d'Israël. Vous comprenez? Il est oint, le roi d'Israël. Ironie. Vous savez, c'est Pilate, cet ado lui-même, qui le fera cet ado gravé, cet ado sous sa croix, cet ado ouvrant, cet ado ouvrant les yeux, ouvrant cet ado ouvrant les yeux. Personne n'a assez la foi pour déplacer cet ado des montagnes. Ah, ça c'est sûr. Hein. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un déplacer les montagnes. Hein. Et alors, mais bon, après, si tu t'attends la montagne avec des pierres, t'attends pas à voir quelqu'un déplacer ça. Hein.
Parce que la montagne que Jésus parlait, c'est, il faut comprendre que mes frères, voilà un truc qui est important. Mes frères, merci, hein, merci, mes soeurs et frères. Non, sans humour, hein, sans humour. Hein. Ne laissez pas d'où ma race, ma tribu, ou ma parenté, ma religion. Hein, qui nous sommes? Qui nous sommes? Qui sommes-nous derrière cet ado, ces écrans? Bien sûr, qui êtes-vous derrière ces écrans? Petit, beau, laid, grand, riche, pauvre? Mes frères, tous, absolument tous, nous avons un cœur, c'est un cœur, des histoires, des familles. Tous, nous espérons, c'est à nous, trouver, c'est à nous, un guide, n'est-ce pas? Tous, vous espérez trouver un guide. Je suppose, hein, vous espérez tous trouver un guide spirituel, n'est-ce pas? Trouver cet ado un guide. Cet ado qui parle, cet ado un langage universel. Celui, cet ado de Dieu, du Christ Saint et toi. Et toi, petit enfant, tu seras cet ado appelé prophète du Très-Haut. N'est-ce pas? Ne sommes-nous pas cet ado tous contre toute espérance? De croire cet ado, qu'avec cet ado Dieu, tout est possible. Il compte cet ado sur nous. Quand j'écoute cet ado la messe, je vois cet ado des prêtres, cet ado présider. Et lire cet ado ce passage, je me dis qu'ils ont cet ado tous été cet ado des petits-enfants. Quelque part cet ado de part. Vous savez, par le monde. Dans toutes les nations, par le monde. Dans toutes les nations, hein, dans toutes les nations, c'est à nous un plan, c'est à nous d'amour, n'est-ce pas? Dieu a eu un plan d'amour pour l'humanité. Et pour tous, hein, c'est à nous de croire, rendre c'est à nous la vue. De quoi entendre par David, Jésus viendra, c'est à nous confirmer. Laissez venir à moi, c'est à nous les petits-enfants. Voilà ce que Jésus leur disait. Donc, sur ça, mes frères et sœurs, je ne vais pas m'éternir. Mais, tout simplement, je vous invite, c'est à nous, à regarder la réalité en face. Israël, loup, je te salue. Je te salue, Israël. Bonne semaine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, je disais, mes frères, c'est la dure réalité, mes frères. Vous devez comprendre que votre diplôme ne fera jamais de vous cet ado un homme. Vous comprenez? Votre diplôme ne fera jamais de vous une femme. Vous savez, ça s'apprend. Hein? Vous savez, être un homme, ça s'apprend. Devenir une femme, ça s'apprend. Tout s'apprend sur terre. Un enfant ne peut pas marcher sans apprendre à marcher, sans tituber, sans tomber. Donc, pour devenir un homme, c'est pareil. Hein, on doit apprendre. Toutes les choses, on doit apprendre. Mais frère, il y a rien qui est établi, tout fait. Tu veux manger un bon plat, Dieu a déjà tout mis pour toi. Si c'est du poisson, tu veux manger, il faut aller pêcher ou acheter. Si c'est du riz, il faut cultiver. Tu vois, et à partir de ça, tu dois créer. Tu vois, tu peux créer ton plat. Si tu veux du gâteau au coco, tu vois, tu peux créer ton plat. Si tu veux du gâteau au coco, il faut aller chercher les cocos. Gâteau à la banane, il faut aller chercher banane. J'ai dit, Dieu a déjà tout disposé, a déjà tout mis là. Et c'est à nous d'être le chef.
C'est à nous être le chef et de confectionner, c'est-à-dire le plat, nous voulons les cocktails, tout ça. Tout est déjà là, la Bible nous dit. C'est à notre portée, mais pourvu que nous ayons, c'est-à-dire l'inspiration aussi de créativité aussi. Ou bien on a tout là et puis on est là à se leurrer, à attendre que quelqu'un va venir faire à notre place. Mais frère, puis tout ça, là, ça a gâté, ça a pourri. Hein. Il y a des gens qui ont des fruits qui ont pourri, qui ont tombé. Ça sert à rien. Et pendant ce temps, parfois même quand je regarde, je vois il y a des gens qui meurent dans le monde. Il y a des gars qui ont mort faim, gars skinny, et tu vois que. Il y a des gars qui ont mort faim, gars skinny, et tu vois que. La personne a beaucoup d'abfouché. Certaines personnes ont beaucoup d'abfouché, et puis ça en train de pourrir. Regardez tout ça, va dire, mais pas possible. Gars manger, gars fruit, gars baille qui l'a fait. Puis... Mais mes frères, quand est-ce que vous allez ouvrir vos yeux, sortir de ce cliché? On nous a imposé des choses pendant des millénaires. Vous allez continuer comme des grands intellectuels et pas vous rendre compte que ton diplôme ne sert pas à grand-chose. Ton diplôme, c'est juste administratif. Ton diplôme n'a aucune valeur. Tu vois, ton diplôme a la valeur qu'un homme a décidé de lui donner, mais pas plus, pas moins. Tu vois, si tu as un bac plus, ton diplôme a la valeur d'un bac plus, mais il ne va pas être un bac encore plus supérieur. Tu vois, donc ça, c'est limité. Tout ça est béni et gratuit. Je dis Alléluia, Papa Yahweh, parce que je te demande d'ouvrir les yeux de l'humanité, Papa Yahweh, parce que, comme Jésus disait, ils sont pas aveugles, hein, c'est pas aveugles ou aveugles. Hein. S'ils étaient aveugles, ça aurait pu passer comme Jésus avait dit aux pharisiens. Et Jésus dit, ils ont dit, Jésus, est-ce que nous sommes aveugles? Jésus dit, non, si je t'ai aveugle, bon Dieu, t'es qu'à y pardonner les autres. Un aveugle, il est aveugle, c'est, s'il ne voit pas, c'est pas de sa faute, hein. Il faut comprendre un aveugle. Quand vous prenez un aveugle physique, s'il voit pas, c'est pas de sa faute, c'est pas qu'il veut pas voir. L'aveugle, parfois, il veut voir. Le plus souvent, un aveugle, il a envie de voir le soleil, de voir ce qui se passe autour de lui. Donc c'est pour ça que Jésus dit que, mais non, vous n'êtes pas aveugle parce que vous êtes incrédule. Vous êtes incrédule. Hein? Vous êtes des incrédules, des gens naïfs, insensés. Donc les gens comme les pharisiens, c'est des personnes qui ne voulaient pas voir. C'est des gens qui faisaient tout pour ne pas voir, ne pas entendre. Alors que l'aveugle, lui, il veut voir. L'aveugle, c'est celui qui tâtonne même quand il ne voit pas. Tu vois, avec sa canne, qui cherche, il cherche, il cherche, il cherche la porte de sa maison, il cherche son chemin. Tu vois? Et c'est Jésus dit, mais vous-même, vous ne tâtonnez pas. Vous ne cherchez pas la porte qui conduit au royaume des cieux. Je peux vous considérer comme des aveugles? Parce que l'aveugle tâtonne, même s'il ne voit pas, il veut voir. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe autour de lui. Alors que vous avez vos yeux. Et vous vous en foutez pas mal de tout ce qui peut arriver autour de vous. Hein? Donc, quand Jésus-Christ a parlé, quand Jésus-Christ a parlé, c'est de quelle église il parlait? Mais c'est écrit, hein? Les sept églises, il y a Éphèse, la Odyssée, c'est ça, hein? C'est l'église d'Éphèse. Les sept églises Asie mineure. Vous savez, il faut les sept églises se trouvent en Asie mineure. Vous savez, c'est Asie mineure. J'avais une carte, j'ai déjà cherché. Asie se trouve dans la mer Méditerranée. Vous savez d'où ce sont, au bout du compte, ce sont des îles. Hein? Ce sont des îles qui se trouvent au bord de l'eau. Hein? À l'Asie mineure, ce sont des îles. C'est pas Israël. Hein. L'Apocalypse, quand il parle Asie mineure, vous savez, l'Asie mineure, ce sont des îles. Hein, parce que souvent, vous voyez que la Bible nous dit que
L'Asie mineure, ce sont des îles. Hein, parce que souvent, vous voyez que la Bible nous dit que il nous parle des prophètes, des nous sommes là, nous pensons que c'est nous. C'est vrai que nous sommes dans les îles aussi. Mais il ne faut pas oublier aussi que en marchant, il y a l'Asie. C'est comme vous avez le Japon, et puis à côté du Japon, il y a l'île Okinawa. Vous voyez, il y a d'autres îles encore qui font partie du Japon. Donc, eh bien, Asie mineure fait partie, c'est à je crois. Mais ce sont des îles qui sont au bord de l'eau. C'est au bord, hein, c'est. Voilà, c'est comme vous voyez dans la mer, parfois il y a des. Par exemple, vous voyez des petits lilas, vous voyez, il y a des petits lilas, il y a des pays, vous avez un grand machin comme ça, et puis au milieu de l'eau, il y a un petit lilas, vous voyez, il y a une île. Puisque quand vous êtes sous l'eau, vous allez là pour aller de l'autre côté. Ça fait partie, mais sauf que c'est soit c'est au milieu de l'eau, soit c'est au bord de l'eau, hein, c'est au bord de. Et ce sont les églises maintenant, ce sont les églises maintenant que j'ai eu une révélation de lui à ce niveau. Ah bon? Mais sauf qu'à l'époque, mes frères, ça s'est passé, c'est des choses qui se faisaient. C'était pas des choses à venir, hein. La vision que Jean a eue. La vision de Jean, c'est pas les sept églises d'Asie, c'est pas une vision à venir. C'est une vision que Dieu a révélée. Hein. C'est comme pour, avait révélé à Jérémie le trou. Hein. C'est comme pour, avait révélé à Jérémie le trou. À l'époque, Jérémie avait une vision. Dieu lui montrait que le peuple montait, ils adoraient le Dieu soleil, que Dieu allait causer un tout. C'est une visite. C'est quelque chose de présent. Il y a le présent et puis il y a aussi le futur, parce que le trou, c'est le futur, le feu. C'est le futur. Donc, dans l'église, cette église d'Asie mineure, et ça dedans. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, et chez vous? Moi, ça va. Et Dieu merci. Ça, il fait chaud ici, il fait très chaud. Ah, il fait chaud, chaud. Oh, ça va, toi? Ouais, ça va. Ici, il Ouais. fait très froid. Il fait froid? Ouais. T'as en France? Ouais, il fait froid chez nous. On fait match? Ouais, vas-y. Ah ouais, ben ouais. Et tu es où en France? Pardon? Je vous Tu es attends un petit en peu France? mal. Moi? Je vous ai dit, est-ce que mon truc est en train de bugger. Ah, tu bugs, je crois, c'est ce que je crois. Ça bug. Ah, ok. Toi, tu es où? Tu vis où? Hein? La France ou Oui. T'as pas compris le Dieu. T'es blessé d'être. Oui. Je suis rendu blessé après la première tête dessus.
Ça bug, hein? Ça bug.